Et bonsoir et bienvenue sur un dessin podcast. On est le mardi 7 mai 2024 et c'est notre deuxième live de la journée. On est comme ça, on ne se refuse rien. On vous saoule jusqu'au bout de la nuit. On est... Voilà, vous pouvez plus vous passer de nous maintenant, c'est comme une drogue, un dessin podcast. Que voulez-vous ? On essaye tout, c'est comme ça. Bref, après cette intro totalement foireuse, vous avez bien compris qu'on est de retour pour notre hebdo classique, traditionnel. Vous connaissez le menu, hein, entrée, plat, dessert, entremets, et tout ce qui s'ensuit, et discussion indécente, bien évidemment. Bien sûr, je ne vais pas être tout seul à déblatérer, ça, vous connaissez un petit peu le principe aussi de l'émission hebdo, et je vais faire revenir tout de suite mes deux acolytes du soir. On est comme ça, hop, regardez, il est de retour aussi. Salut, bonsoir, salut. Eh bien, écoutez, bonsoir tous les deux, bonsoir Manu, bonsoir Marilyn, comment ça va de votre côté? Bon, Manu, ça va, t'as eu le temps de manger toi aussi? Ça va? Oui, c'est sympa, on a avalé quelque chose entre la view et l'hebdo, tout va bien. Ouais, c'est bon. Et pour toi, Anita? La reprise a été dure après Kaisersberg, mais ça va, ouais. C'est le week-end. Ouais, on va en reparler justement de Kaisersberg. En fait, tu vas nous en parler plutôt. Parce que moi, ça va, je n'ai pas grand-chose à en dire. Enfin, si, j'ai des choses à en dire, mais pas autant que toi. Bah écoute, avant qu'on commence, on va déjà faire un petit coucou à tous ceux qui nous ont déjà rejoints à Fichtre, il y a du monde, hein. Donc déjà, rebonsoir Gébrand, bonsoir Plume, c'est super plaisir de t'avoir revu à Kaisersberg, c'était super cool, bonsoir Cyrnos77, alors, tester deux pommes, trois pains, eh bien non, ce n'est pas moi, voilà, bonsoir Arsène, pareil, super cool de t'avoir croisé aussi, bonsoir Tal Galiel, bonsoir Sloppy. Bonsoir Feldwin. Oh là là, la vieillesse, c'est terrible. Hein. Bonsoir Darth Sunshiner. J'arrête, salut. Bonsoir Petit, bien évidemment. Cartouchière en bandoulière, prêt à tirer. Non, peut-être pas ce soir. Pas toutes les semaines non plus. On réserve un peu, si tu veux, des munitions. Et bonsoir Fun Duel Délice. Bah voilà, bah écoutez. Déjà, plein de monde, dis donc, c'est incroyable. Bah ouais, merci. Ça nous fait plaisir de voir autant de monde, c'est chouette. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, écoute, comme on a un programme qui a l'air qui est quand même un petit peu chargé, enfin chargé, comme d'habitude, c'est ça. Même quand c'est pas chargé, de toute façon, ça dure 2 heures, donc soyez prêts, be ready. Et hop, je regarde un petit peu. Oui, ah bah oui, je compatis mon cher Sloppy. Mais il faut quand même prendre le temps de s'alimenter, hein, parce que genre, on va encore en déblatérer des conneries ce soir. Enfin, on va faire semblant d'être sérieux, ça, vous nous connaissez. Alors, ben écoute, on va commencer, comme je disais, le menu traditionnel. Et puis, ben écoute, je laisse à qui de droit embrayer sur le début. Et ben voilà, ben on va commencer comme d'habitude par les derniers achats effectués ou les services de presse reçus. Alors, de mon côté, ça va aller très vite. Il n'y a rien cette semaine. Voilà, j'ai été très sage. Je n'ai rien acheté. Alors, on m'a offert, par contre, je ne l'ai pas sous la main, je ne peux pas vous le montrer, mais par contre, on m'a offert un bouquin qui est pas tout récent. Hein. Ça s'appelle Fearful Symmetries. C'est une campagne pour Trail of Cthulhu, qui est System Gumshoe, et qui est paru chez Pelgrin Press. Voilà. Et on me l'a offert avec le bouquin qui va avec. Il y a un bouquin qui s'appelle The Book of New Jerusalem, et qui est en fait plein de légendes, plein d'éléments du folklore anglais. Donc c'est vraiment très chouette, les deux ensemble. Donc merci. Et donc voilà, ça, j'en parle juste pour vous dire à quel point il y a des trésors dans cette gamme. Qui n'ont jamais été traduits en français, mais je pense à la grosse campagne Eternal Lies, à Dreamhound of Paris. Voilà, il y a vraiment des choses merveilleuses dans la gamme Gumshoe. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer le système, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme truc excellent dans leur gamme, ça fait rêver. Ouais. Voilà, Aranita, de ton côté, quels ont été les craquages avec Kaisersberg? Il y en a peut-être eu quelques-uns. Eh ben non, j'ai tenu le pari, j'ai rien acheté à Kaisersberg, à part beaucoup de bière, mais ça, j'en reparlerai. Alors, tu peux, alors, on est toujours... Non, j'ai craqué avec Kaisersberg, en fait, et puis j'ai les images. Je reviens. J'ai craqué pour Mon Petit Everdell, je vous en avais déjà parlé. Ouais. Donc, c'est la version pour enfants d'Everdell, soit 10 ans, 6 ans et plus. Clairement, non. C'est d'habitude, les âges, on s'en fout un peu, mais là... 6 ans, ça fait quand même un peu jeune. Hein. Ah oui, d'accord. Même pour cette version junior. Ouais, c'est pas une version junior. En fait, c'est une version simplifiée pour adultes qui n'ont pas envie de jouer longtemps.
On a un peu l'impression des mécaniques de base, un peu comme la version core du système. Et puis, Everdell serait les extensions de ça. D'accord. Mais non, il y a quand même des mécaniques qui ne sont pas si simples. Après, le vocabulaire, il est un petit peu plus sympathique. Mais pour un enfant, non, ça reste un peu hard quand même. 6 ans, 7, 8, déjà plus. Ah oui, le petit Everdell, ouais. Ouais. Après, j'ai craqué pour 3 pommes, 2 pains. Mais ça, 2 pommes, 3 pains. Enfin, 5 pommes, 6 pains. Enfin, je vous en reparlerai. Ouais. Et Next Station Paris aussi. Moi, je suis une grande fan des Next Station. J'ai pas acheté les deux d'avant parce que j'y joue énormément sur BGA, en fait, de celui-là. J'enchaîne les parties solo. Et Paris, ben, je l'ai acheté. Ouais, donc BGA, on rappelle, c'est Board Games Arena, qui est The Platform pour tester, pour jouer en ligne, en fait, hein, qui a été racheté par Aspode, d'ailleurs, de mémoire. Voilà. Ok. C'est déjà pas mal. Bah c'est déjà pas mal, effectivement. Ouais. Mon cher Fred, de ton côté, qu'as-tu reçu, oui, qu'as-tu acheté? Alors, en réception, mais je voulais faire une vidéo, mais je vous avoue que ces derniers temps, pas trop la patate, donc voilà. Mais je le ferai demain, du coup, si je survis au vide-grenier. Et voilà, donc, parce que j'ai reçu Mothership. Comme je l'avais dit, déjà, j'en avais déjà parlé mardi dernier, mais depuis, j'ai toujours pas ouvert. Bon, c'est pas urgent. Je vous avais déjà dit que j'avais reçu l'âme du cardinal. 3 services presse, mais des romans. Donc on en reparlera pour la prochaine émission littéraire avec Manu, Mathieu, puis tous ceux qui voudront s'y mettre. Donc on a chez Auforge Vulcain, Le Point Aveugle, de Franck Thomas. Donc ça, c'est plus ou moins du post-apo, de ce que j'ai compris. Donc c'est du Forge du Vulcain, donc ça promet d'être encore passionnant. Aux éditions Argile, c'est arrivé hier. Bon, on a le volume 4 de Comment écrire de la fiction. Et cette fois-ci, c'est par le Cercle des Murmures, donc c'est 6 autrices, qui expliquent en fait comment écrire en groupe. Voilà, plein de conseils pour comment est-ce qu'on organise un cercle de littérature, etc. Plein de points de vue différents pour s'en servir, pour pouvoir écrire ses propres histoires. Ça, et le prochain roman qui sortira au mois d'août, je crois, de mémoire, ou juin, je ne sais plus, le roman d'un Espagnol qui s'appelle Rafael Marin, ça s'appelle La Geste d'Hamlet Evans. Bon, les couvertures sont toujours à tomber hein, chez Argile avec Xavier et Colette, pardon. Donc c'est le troisième Moyen Âge. Une partie de l'humanité végète sur la vieille terre. Et puis ça fait un peu space op à l'aventure et ça a l'air vraiment passionnant. Donc du roman. Sinon moi les craquages de Kaisersberg, moi personnellement il y en a eu pour Madame aussi. Alors attention, voilà nos craquages. Tu vas voir à quel point les villages alsaciens, c'est quand même de la bombe. Petite liqueur de rose. Bah, bravo. Ouais. Ah bah oui, écoute. Je rappelle à consommer avec modération. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Consommez-moi tout ça. Mon deuxième prénom, ça tombe bien. Bah oui, moi aussi. Consommer ou modération? Ouais. Modération. Ensuite, tout va bien. Tu vois, tu avais un distillateur liquoriste qui est dans Kaisersberg. Donc ça, c'est moi hein, qui me le suis pris. J'adore. Écoute. Donc moi, j'ai ce qu'ils appellent... Ah putain, faut l'enlever, je vais essayer de ne pas tout exploser en direct. Quand même. J'ai pas pris de vin parce qu'on trouve du très bon vin alsacien en Moselle, si tu veux, donc j'allais pas en racheter là-bas, ça serait un peu débile. En plus, dans des villages très touristiques, c'est quand même un peu plus cher. Donc là, par contre, j'ai ce qu'ils appellent le bouillon blanc. Voilà. Ça reste très bon pour les cocktails, ou même à boire comme ça en 10 jours, hein, bien évidemment. Parce que c'est quand même du 40 degrés. Bouillon blanc, c'est à partir de fleurs hein, qui poussent dans les massifs des Vosges. Altitude. Super bon, hein, putain, purée, la vache. Donc voilà, ça, j'ai goûté ça dans la boutique, on a bien rigolé, du coup, j'ai craqué là-dessus. Et là, je remercie le petit chêne, enfin le petit, non, il n'est pas petit, Shendor, hein, qui fait partie de leur gars de RPGers, entre autres, et qui, de temps en temps, vient nous raconter des bêtises dans les commentaires ou autre, mais qui m'a offert une bouteille de blanc. Première grive, domaine Tariqué. Ouf, côte de, ça, je côte connais. De... Côte de Gascogne. Le domaine de Tariqué, c'est excellent. Ben voilà. Donc, merci à lui. Voilà, je te fais des bisous. La prochaine fois, c'est moi qui t'en descendrai. Donc voilà les craquages de Kaisersberg, tu vois. C'est pour ça que j'ai couru pour aller chercher la bouteille. Donc voilà, les conventions rôlistes, c'est un peu surfait. Hein. Ouais, rester à l'agnole et à la bouffe, hein, ça c'est pas mal aussi. Hein. Je vous confirme hein, que
C'est souvent pas les bouquins que je retiens des différents festivals. Par exemple, le dernier à Cannes, là, je crois que le meilleur que j'ai ramené, c'est une petite confiture de Mirabelle avec une pointe de vanille. Ah ouais. Ah ouais. Ah là là, ça, je peux vous dire, les amis. Merci, ah ouais. Fred. Hein. T'as testé ça, toi. Il y a Nanol dedans, hein, je te dis ça comme ça. Ah, oui, je sais. Bah, c'est marqué dessus, hein, de toute façon. C'est marqué, oui, alors quelle image pour les jeunes? Bah, l'image de bon vivant. Ça ne suffisait pas, la Mirabelle, vous avez rajouté de l'alcool de prune dedans. Oui, oui. Alors, petit aparté, pour ceux qui veulent se lancer dans la confiture, à l'époque de mon ancien boulot, dans les propriétaires dont je m'occupais, il y avait un meilleur ouvrier de France boulanger, qui faisait aussi un petit peu de pâtisserie. Donc on discutait un petit peu, voilà, concept, ouais, fabrication, etc. Et il m'expliquait, lui, que pour tous les gâteaux que vous voyez chez les pâtissiers, en fait, il y a de l'alcool dedans. Alors, pas des tonnes, hein, bien évidemment. Mais même les nuages industriels, ils vaporisent, ouais, un nuage de rhum pour qu'à l'entrée du sachet. Oui, parce que en fait, ça prolonge le goût en bouche des fruits. Ouais. Ça évite que tu perdes le parce que ça s'oxyde assez rapidement. Mais l'alcool permet de garder le goût du fruit en profondeur de bouche. Ah ouais. Donc c'est pour ça que j'en fous dans les confitures. Voilà. Je l'ai mangé. Et comme il est plus volatile, il distribue les odeurs en fait aussi. Exactement. Ouais. Je l'ai mangé avec un copain lorrain et il m'a dit, écoute, c'est comme celle de ma grand-mère, je suis à la maison. Donc, tu vois. Magnifique. Belle, on ne peut pas faire meilleur compliment, je pense. Bon, allez, assez digressé. C'est très gentil. Donc voilà. Sur l'alcool. Oui, mais bon, on peut se faire une émission confiture et jeux de rôle, hein, c'est pas de problème. Ah oui, non. Ou même vin et jeux de rôle. Hein, oui, oui, c'est ça. Oui. Ou même vin tout court. Hein. Oui. Oui, on aura assez à dire. J'ai pris un bon Volnay 97 pendant les vacances. Ah ben voilà, tu vois. Puis comme le dit quelqu'un dans le chat. On se risque sur le bizarre. Mais oui, toujours. un peu comme ça sur. Allez, allons voir dans le chat ce que nos amis ont de leur côté, s'ils ont craqué un peu. Donc, Pretty Lilith en achat, Pledge le dernier fondu au noir. Voilà. Et oui, hier. Donc, les sables rouges. Tu as fait une interview hier, je crois, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, ouais, ouais, à 19h avec Emeric de Fondue au Noir. Donc, on a déjà reçu plusieurs fois, parce que bon, c'est des gens qu'on apprécie un petit peu beaucoup quand même. Bien sûr, oui. Et puis surtout, ces scénars sont vraiment cool. Enfin, je veux dire, tu vois, si encore les scénars n'étaient pas terribles, tu pourrais dire, bon, ouais, bon. Mais non, ils sont très bons. Donc, on a vraiment plaisir à l'inviter. Donc, on en a parlé pendant une heure, hein, quasiment. Donc, voilà, vous pouvez revoir la rediff était faite ce midi sur YouTube. Super. Alors, Sloppy nous dit 3 semaines d'abstinence. Ah là 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 là. On compatit, Sloppy. On sait que c'est dur. Ah oui. On sait que c'est pas simple. Alors, chez Jared Morningstar, réception de Fading Suns et craquage sur Gods. Donc, Gods, je vois. Par contre, Fading Suns, je savais pas que la gamme était suivie et qu'il y avait. Enfin, qu'est-ce que vous avez reçu? Alors, c'est des suppléments qui sont sortis, c'est quoi? Non, ils ont ressorti la gamme complète chez Black Book. Ah oui, d'accord. Il y a une nouvelle édition, en fait. Il y a une nouvelle édition de Fading Suns. Je ne sais plus chez quel éditeur, je t'avoue. Et ça a été. Les droits ont été pris par BBE. D'accord. Financé l'an dernier. Puis là, ça vient d'arriver chez les souscripteurs. Ça a été financé l'an dernier, ok. Donc c'est arrivé là en physique, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Et donc, de mémoire, attends, je vais essayer de retrouver ça sur Gamon, mais c'est. Que je retrouve exactement ce qu'ils avaient foutu dedans. Bon, bah, les livres de base, hein, déjà, ça, c'est sûr. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, bon, ben, attends, très bien. Je vais te retrouver. Hop, Fading Suns. Je suis passé totalement, totalement à côté. Ouais, il y avait 320 souscripteurs, il y avait 78 000 euros. Alors, les contreparties, tu avais le guide de l'univers, le guide du joueur, le guide du maître du jeu. Bon, on les tue, on s'en fout. Un guide des factions. Intrigue escapade, ça c'était des recueils d'accrochés de scénarios. Qui du maître de jeu, ok, ça c'est l'écran avec livret. Et poster du réseau de saut, les fiches de perso, etc. Enfin, bon, bref, tout ce qui va bien à chaque fois. Voilà, donc une gamme qui se lance d'entrée, quoi. Ok, bon, bah top. Alors, Arsène, alors attention, préparez-vous les amis. Donc, chez Arsène, grosse semaine. Donc, un nouveau masque même peau en cuir, une tour AD, stylée, waouh, voilà. Le kit de découverte Libreté, ok. Ouais, cool. Survivre au crépuscule, Tel Ulysse, bon. Mélodie pour très un bon. Meurtre. Ouais, tout ça, très bon. On connaît, c'est bien, tout à fait. Et on continue avec Impitoyable Bourgade, avec les cartes. Ouais.
Le Coyote et le Blaireau, ça je ne connais pas, c'est quoi? C'est du JDR, jeu de société? Oui, c'est un jeu de rôle en duo. D'accord. Okay. Ouais, que j'ai acheté dans les collections d'imaginaire chez Neoludis. D'accord. C'est très cool. Ouais. Reimagined, Héros d'argile Renaissance, ouais, ça c'est très très bien. Ryutama, mmh. C'est excellent aussi. La Couvée, avec une dédicace. Les Veilleuses et Captain Vaudou. Ok. Il a aussi pris le Pledge City of Mist et recevoir peut-être la Tétralogie Dragon. Bah écoute, waouh! J'espère que tu as plein d'étagères à caler. Et de... Oui. ça c'est pour toi, Arsène, regarde. Mais c'est ça. Voilà. Très bien, bien vu. Bon, je pense qu'Arsène, on n'a pas fini la liste de tout le monde, mais je pense qu'Arsène est un bon concurrent pour gagner la palme ce soir. Hein. Ah oui. On rappelle que ceci n'est pas un concours. Ah bon? Non. Plume Vagabonde, Savage World, ok. Scum and Villainy, Les Miaulements d'Ultar, des Tartes Flambées et des Bretzel. Ouais. Beaucoup de tartes flambées ce week-end, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est bien ça. Arsène, tu es notre héros. Oui. Effectivement. Chez Darth Sunshiner, les deux premiers tomes d'Ars Obscura et les deux premiers de Skyward. Il se pourrait que j'ai été influencé par une diffusion récente, c'est possible. Oui, je compatis. Mathieu nous a bien teasé le truc, quoi. Okay. Donc, Ars Obscura de François Baranger hein. Et Skyward de Brandon Sanderson. Ouais, tout à fait. J'ai lu Skyward que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et par contre, je n'ai pas lu Ars Obscura. Donc voilà. Plume Vagabonde, Camisha dans les achats. Ouais, Jardin d'été. Okay. Tout à fait, tu nous en avais... C'est toi ou Antoine qui nous avait fait une présentation? C'est Antoine. Tal Galiel, les romans du cycle d'Hyperion de Dan Simmons, excellent choix. Ouais, alors moi je suis pas... T'es pas fan toi? Ah ouais, non. Je me suis forcé pour lire la fin d'Hyperion. En Dimion, j'ai commencé, je me suis endormi. Bon, bah écoute, c'est bien, on aura deux avis. Moi c'est vraiment c'est partie de mes cycles de SF préférés. Tu les as lus, Aranita? Non. Dans cette histoire de non, je me suis acheté récemment c'est le problème à trois corps. Le fiction. Bah moi c'est celui-là que j'ai eu du mal, tu vois. J'ai pas lu la suite du coup du problème à trois corps. J'ai pas lu les deux suivants. Et j'ai pas regardé la série du coup. Bah, écoute, ni l'un ni l'autre, donc il faudrait lui mettre un séjour. Ouais. Alors, Skyward 1 et 2 pour préparer l'arrivée de Traveler. Oui, c'est encore un bon. Ça peut aider. C'est encore un bon choix. Tac, tac, tac. Arsène, encore. Il a. Deux petites figurines de crâne D6 à Kaiserberg. Ok, très bien. Shamrock, Pledge Dies Irae. Bah oui, c'est le moment, effectivement. Hein. Oui, mais ça s'est fini hier, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Jarrett nous précise que l'éditeur de Fading Suns, c'est Ulysse Spiel. Ouais. Ouais, je te remercie, Jarrett. Donc voilà, des sous de côté pour Delta Green en juin. Oui, c'est sûr que là, il risque d'y avoir un petit craquage. Spear et son supplément Strata, très bon choix aussi. Donc voilà. Voilà pour vos derniers craquages. Il y a eu des choses dans tous les genres. Après, il y a beaucoup de trucs où les éditeurs étaient présents, donc on sent certains ont été très convaincants. D'accord. Sunshiner nous dit « J'ai oublié le Pacte de sang de Clément Bouhellier. Bonne variation sur le vampire, c'est un roman, donc c'est ça. Hein » Chez Critique Édition, tout à fait. Que Mathieu a lu déjà, et il nous en parlera la prochaine fois. D'accord. Et salut Olive. Salut Olive. Salut à toi Yumekazu qui nous dit ce fut Camisha, Dédé et Arc Doom. Voilà. Bah oui, Arc Doom, ouais. Très bien. Et puis coucou Yumekazu, tu vois, voilà. Tu peux parler dans un chat, il n'y a pas de problème. on a pas mal papoté à Kaisersberg, c'était très sympa. Ok, bah super. Et bah, merci à tous pour ces retours. Ouais, c'est le moment où on partage notre addiction, en fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Bon, moi ça va, je suis très calme, hein, comme je t'ai dit. Avec des gens qui les comprennent. Ouais.
J'ai essayé d'être très calme dans les achats, bah, sauf ça, quoi, parce que bon, c'est la vendeuse qui me dit goûter ça, oui, bon, bah d'accord, ok. Bon, juste avant de prendre la route, en plus, c'est pas très sérieux. Hein. Ne faites pas ça, les gens. Voilà. Faut pas faire ça. Bon, écoute, on est pas mal, hein, sachant que le service presse, c'est un peu calme en ce moment. C'est surtout des romans qu'on reçoit à cause des sales émissions qu'on fait sur la littérature. Donc, on en reçoit quelques-uns. Et puis, surtout, des réceptions de pledge qu'on attend. Je crois qu'on est, que ce soit Antoine, moi ou vous deux, il y a des trucs qu'on attend aussi, quoi, en réception. Alors, Olive voilà. nous dit thématique super-héros avec Mask, Marvel Multiverse et Claim the Sky. C'est effectivement un super-héros pour le Cypher System. Et Marvel Multiverse Roleplaying. Je me demande qui sera le fou furieux prêt à acheter la licence pour la faire en français. Bon courage. Pas gagné. Alors déjà, ça doit coûter un flic monstrueux. Et vu les trucs de validation, quand tu vois le boxon pour Star Wars, je n'ose imaginer pour Marvel. Je pense que c'est du même niveau. Hein. Ah ouais, je pense aussi. Ouais. C'est-à-dire ultra, ultra relou. Oui, oui. Donc déjà, tu raques la licence et en plus, tu attends des plombes pour avoir tes trucs validés. Ouais, c'est ça. Il ouais, faut être. Sachant que qui va acheter du Marvel en France? Michael Cratoriou de Edge nous en avait parlé en détail. Si vous voulez revoir ça, c'est sur les vidéos qu'on a faites à Cannes. Au Fige. L'interview au Fige, voilà. L'interview de Michael, il revient longuement sur les étapes de validation très, très, très compliquées. Pour Star Wars, avec Disney. Avec Disney, ouais, tout à fait. Ouais. Mais non, c'est pareil, on n'y croit pas trop à la VF. Ça, c'est sûr. Donc bah voilà. Du coup, on passe. Bah écoute, ma chère Anita, regarde. Au focus quoi de la semaine. Paf. On va commencer d'abord par Anita. Tu vas nous parler un petit peu de Kaisersberg si tu veux. Hein. Oui. Bah après moi je découvrais juste Kaisersberg. J'habite pas très loin, mais c'était la première fois que j'y allais. Donc, pourtant, c'est pour le stand en face à Jeux et Compagnie. Hein. Donc, ouais, petite ville sympathique. Plus village préféré des Français, c'est ça, en 2017, je crois. Ouais, il fait partie des 100, parce que tu as un classement des 100 plus beaux villages français, il est dedans, de toute façon. Voilà, j'ai ramené le petit livret avec le programme. Voilà, donc je savais pas trop à quoi m'attendre en fait au début parce que je voulais programmer plein de parties, puis au final j'en ai maîtrisé une et j'en ai joué une, c'est tout. Et puis on m'a dit mais t'inquiète pas, tu seras toujours occupé. Et puis c'était vrai parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup papoté et beaucoup mangé et beaucoup bu. Voilà, que dire, moi je suis arrivée en fin de matinée en fait, je prends le kit du MJ là, avec mon bracelet gratuit pour le café, parce que ça c'est vital. Oui. Voilà, et puis sur le chemin je croise quelqu'un et puis un Fred sauvage est apparu. La première personne que j'ai croisée en fait. Ah d'accord, voilà. En arrivant. Très dangereux les Fred sauvages. Je suis accompagnée. J'ai été mise tout de suite dans le bain parce que tu m'as pris avec toi et puis tu m'as dit tiens, lui c'est machin, lui c'est truc, et j'ai absolument rien retenu. C'est pas grave. C'est trop d'infos d'un coup. Ce qui compte, c'est qu'eux, ils ont retenu. Voilà. Ouais, ils ont retenu. Et puis en plus, j'étais costumée. Voilà, parce que, j'en reparlerai un peu plus tard, mais j'ai un événement bientôt, et donc je voulais tester mon costume pour la journée, savoir s'il allait tenir le coup, et oui. Donc, je suis contente. Je décris comment, chronologiquement, ou je présente le... Comme tu le sens, tout simplement. Pour m'en rappeler, je vais faire un peu chronologique après. Donc, j'avais un petit rendez-vous de prévu au départ avec la communauté CAT, avec Mélisande notamment. Et donc, on s'est retrouvés brasserie Bizeg à boire des coups et prendre des flémiches déjà. Et puis là, je crois que c'est là que j'ai compris ce que c'était Kaisersberg, en fait. Parce qu'elle arrive et puis elle commence à me faire le tour de table. Alors lui, c'est un peu comme toi, lui, c'est machin, lui, c'est bidule. Puis je vois, lui, c'est machin du grog, lui, c'est bidule de machin, ça, c'est l'auteur de trucs. Je fais, ah, ok.
Donc, c'est ça, Kaisersberg, c'est on papote. Mais non, je ne vous ai pas oublié, plume vagabonde. Mais non, je ne vois jamais jusqu'à ce point-là. Mais donc, ben, on a bien papoté, on a rencontré du monde. Puis, ben, c'est un village fantastique. Après, on a fait le tour des boutiques. Je ne sais plus avec le nombre de personnes. En fait, à un moment, tu te poses. Je prenais juste un café et bah tiens, il y a quelqu'un qui voit que je suis toute seule, qui me rejoint, qui me reparle, et on est reparti pour 30 minutes. Et bah, en fait, c'est un live qui se finit pas, quoi. Oui. Ou c'est comme Antoine en boucle sur Warhammer. C'est assez redoutable. et en même temps, c'est des conversations, c'est pas juste du blabla, quoi. C'est. Et puis voilà, moi j'ai. Puis, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu une grosse réunion à 17h avec toute l'équipe, toute la team Scandalicious. Donc, bon. Après, donc, une partie est dans le chat. Une partie est dans le chat. Donc, ça, c'était super. Moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre non plus parce que je suis à la fois spectatrice, je suis toute nouvelle, en fait. Et ça fait quoi ? Ça fait 2 mois qu'on se connaît vraiment sur la chaîne. Ça fait un petit peu plus qu'on parle, nous. Mais je savais pas quoi, et j'ai eu un super accueil en fait. Donc, c'est cool. Donc super ouais. Contente. J'ai essayé de pas trop faire ma fangirl et peut-être garder une embêter tout le monde et j'étais super contente. Quoi. Après j'ai fait jouer le soir Shan. Alors le scénario d'initiation de Renaissance avec les règles de Chrysalis que j'avais adapté. Ben, je ne suis pas super satisfaite. Du système ou de la partie ? Un peu des deux. En fait, le scénario est très, très bien fait pour initier à Renaissance et les mécaniques de Chrysalis font que j'ai l'impression que ça passe moins bien. Il faut vraiment faire plus d'adaptations que juste traduire les règles, je pense. Il faut changer un petit peu le scénario quand même parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de faire des jets de dés pour des jets de dés pour des jets de dés. Hein. Pour remplir, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez du système Chrysalis, où il y a une jauge collective à remplir et ouais. Après, on fait des jets pour la remplir avec en même temps un dé qui nous fait des pertes de points d'énergie. Donc, la question est de savoir, ok, vous allez forcément remplir cette jauge, mais à quel prix, quoi. Et là, on remplit la jauge et on a fait que ça, quoi, du remplissage de jauge. Donc, c'était un peu long. Quoi. Donc, à retravailler, vraiment, pour le scénario d'initiation. Mais sinon, les joueurs étaient contents. Hein. Oui, ce que j'allais dire, parce que la partie s'est bien passée, quoi. Les gens étaient contents. Oui. Ouais. Bah, après, c'est un scénario quand même que je maîtrise. Donc, en fait, heureusement qu'il n'y a pas que les GD. Il y a toute la partie roleplay avec tous les personnages et tout ça. Ça, normalement, ça a roulé. Après, je suis rentrée chez moi, parce que je suis à 60 km, donc je suis retournée dormir chez moi. Bien que je crois que j'ai eu une proposition pour une soirée jusqu'à je ne sais pas quelle heure et deux ou trois personnes qui m'ont proposé leur Airbnb, une place sur un canapé ou quelque chose. Donc, super sympa, quoi. Mais non, je suis quand même rentrée et puis j'ai dormi 4 heures et je suis revenue à 10 heures pour une partie de Donjons et Chatons avec Manitou. Manitou, il y avait Maddy, il y avait d'autres personnes. Très sympathique, on s'est bien entendu. Un peu, au début, on ne se connaissait pas. Ouais, Akibi qui fait finalement, tu n'as pas pris l'option du matelas dans le coffre de la voiture. Oui. Ben, j'avais le matelas gonflable et le sac de couchage quand même. Hein, mais j'avais aucune idée de la route à l'aller. Donc, quand j'ai vu que la route à l'aller, ça allait, j'ai dit, bon, je suis capable de faire l'autre. Ouais. Donc, alors, que des personnes sympathiques, il faut quand même relativiser puisque j'étais présent. Et puis, donc voilà, super partie le matin. Et puis après, j'avais dit, allez, j'étais pas censée y aller le dimanche, donc j'avais dit, je vais quand même rentrer tôt et faire ce que j'ai à faire. Et donc, je devais repartir à 14h et je crois qu'à 21h, je suis rentrée chez moi. Ah oui.
Bah parce que tu croises quelqu'un et puis c'est non mais on va manger, donc on va chercher un endroit pour manger, et puis on discute, donc on se repère, et puis après on se retrouve, et puis en fait il y en a un bouc à manger et pas un autre. Et c'est que ça en fait. Et donc, bon. Moi c'est ce que. Alors après, j'ai visité le stand. Attends, je. Plus le nom. Antica. Oui, Bruno. Bruno Guérin. Bruno. Et qui me dit « Ah, c'est toi, mais pourquoi tu n'as pas tes fleurs aujourd'hui ?» Parce que donc, il avait eu un topo, tu m'avais présenté, en fait. Je n'ai rien dit. Donc, il y a des stands comme ça où j'étais « Ah oui, c'est toi, j'ai entendu parler de toi. » Ouais, tu avais fait… Oui, j'ai été voir un petit peu Bruno, effectivement. Voilà, mais du coup, on a bien causé. Il m'a présenté en détail Antica. C'était super, super intéressant. Et puis, je ne pourrais pas faire la liste de tous les stands. Je crois que j'ai à peu près vu tout le monde. Ouais. Si tu fais MJ, tu peux dormir dans le gymnase. Ah ouais, bah, écoute. Ouais, mais alors. Ouais, moi, je suis en. Voilà. C'est pareil, hein. J'ai dormi dans des endroits improbables. Hein. J'ai dormi dans des aéroports, j'ai dormi dans des gares à New Delhi. Mais j'avais toujours quelqu'un de confiance pour veiller sur mes arrières. Là, toute seule comme ça. Ouais, et puis alors en plus, un gymnase avec que des rôlistes. Ouais. Moi, je préfère garder mes ronflements pour moi, personnellement. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire ? On a vu des spectacles aussi. Il n'y avait pas que du JDR, il y avait des spectacles. Alors, par contre, n'allez pas voir un spectacle avec Olchan. Parce qu'il y avait, en fait, il y avait un problème de micro au début. Et donc, le début du spectacle, toute l'explication, c'était. Avec un peu d'imagination, en fait, on a fait les sous-titres nous-mêmes. Ok, avec Olchan, je comprends mieux. On riait comme des gosses. Mais... moi surtout, mais non, c'était très, très drôle. Il y avait des combats aussi, des initiations au combat. Il y avait du lancer de hache. Mmh. Il y avait aussi des jeux de société. On en a vu. Il y avait une expo sur les vieux livres de jeux de rôle. Et puis, ce n'était pas que les vieux livres, parce qu'il y avait aussi les versions plus modernes. On a vu ce qu'étaient devenus les livres au fur et à mesure. Ouais, les gammes. Bon, après, tu déprimes un peu quand tu vois que les livres anciens, ils ont ton âge. Tu dis, ça y est, je suis une pièce de musée, quoi. Donc voilà quoi. Après, sur la route pour partir le dimanche, je recroise quelqu'un qui fait oh, tu vas pas partir comme ça, on se reboit une bière. Et puis on est reparti pour une conversation d'une heure et demie avec Vincent Mathieu et Mathem notamment. Vincent, donc l'auteur de Cats. Oui. Et des idées saugrenues, comme mettre lui. À moi et les prénoms. L'auteur de Donjons et Chatons. Clément. En fait, on disait qu'il fallait peut-être qu'il fasse une petite conférence sur comment on joue des chats. Et en fait, on a dit, on n'a qu'à faire ça à Octogone. Et puis comme ça, ça mériterait son nom d'Octogone. On fait un combat à griffes. Ah oui. Joli. Mais bon. Donc des super discussions. Enfin, moi, je suis revenue avec des idées plein la tête, quoi. Après sur la route, sur le chemin du retour, il n'y a qu'une rue à Kaysersberg et elle n'est pas longue. Hein. Mais tu croises tellement de gens pour dire au revoir que j'ai pris la route à 20h et puis rentré 21h. Mais c'est vrai qu'on croise beaucoup de gens là-bas, effectivement. Donc tu es très positif sur Kaysersberg, tu y retourneras, quoi, si je comprends bien. Oui. Ah oui. À 60 km, franchement, je mets une heure et quelques. Ouais, j'ai un col à passer, mais ça va. Ouais, il est franchement facile à passer, le bonhomme. Hein. Ouais, c'est le col du bonhomme, je crois. Oui. Et je passe devant la confiserie, en plus, pour passer. Oui, donc, plein fin. La contrebande de bonbons. À plein fin, comme ils disent. Oui, parce que les bonbons lavogiennes ne sont plus faits dans les Vosges. Les vrais, ils sont à plein fin. C'est ça. Tu les trouves encore là-bas. Et puis, c'est plein de patelins avec des productions locales. Bon, bref, on ne va pas faire le parcours gastronomique parce que alors là, moi, je ne m'arrête plus. Écoute,
pour moi, très rapidement, hein, je vais faire mon petit retour aussi, mais très très rapide. Voilà, je préfère que ce soit toi qui en parle parce que tu es resté les deux jours. Moi, je suis venu que le samedi. Alors oui, il était bien prévu que je vienne effectivement depuis très longtemps et j'avais trop envie de faire râler. J'avais trop envie de faire râler Maxime alias KFR. Que, du coup, je dis non, mais ça, c'est ma déception de ne pas être arrivé suffisamment tôt pour voir ça. Ah, la tête qu'il a tirée. Bah, d'abord, j'ai croisé Fred alias Manitou qui m'a regardé en disant bah, mais t'es là, toi? Bah oui, oui. Et quand il a vu ma tête, là, c'est... mais comment? Mais quoi? Donc voilà, c'était mon petit gag à moi, donc je me suis bien amusé. Et bah, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais vécue l'an dernier, sauf que cette fois-ci, on est resté un poil plus longtemps. Donc on est resté que le samedi. Hein. On est reparti, nous, à 17h, je crois, c'est ça? Nous, c'est 2 heures de route. Bon, et ça reste franchement sur une journée, c'est franchement tranquille quoi à faire, quoi. On n'a pas trop été éclaté par le mauvais temps le samedi, donc ça c'était bien, c'est positif quand même. Et comme tu dis, c'est une ambiance assez unique parce que tu es dans un festival de jeux de rôle et en même temps dans le cœur d'une ville historique. Donc tu croises plein de touristes, tu croises plein de gens qui jouent, qui s'amusent, enfin, tu croises tous les publics à l'intérieur du village. Et à la limite, si tu as envie, bah, c'est ce qu'a fait Chamael par exemple, puis d'autres, ils sont montés au château qui est juste au-dessus. Parce que tu as un point de vue sur la ville qui est sur la vallée qui est magnifique. Donc voilà, c'est déjà rien que l'ambiance du village. Déjà, ça vaut le coup. Tu as des winch traps partout pour ceux qui connaissent. Tu joues dans un cadre magnifique. Moi, la partie challenge, je l'ai faite à la mairie. Mais alors, mais la salle, elle est magnifique. C'est et extra, hein. J'étais dans un trône. Le MJ est sur un trône. Ouais. Et c'est plein de boiseries, etc. Non, c'est fou, hein. Ouais, c'est vraiment un super cadre. Et ce que disait KFR, je crois, je ne sais plus combien de tartes flambées ils ont sorti. 900, je crois. Bon, c'est hallucinant. 900 tartes flambées. Et puis, il n'y avait pas que ça à manger en plus. Hein. Non, il y a plein de trucs, quoi. Alors, juste un piège, en tant que MJ, on a des bons pour une tarte flambée gratuite. Il faut quand même faire la queue pour reprendre le ticket. Il y en a qui se sont fait avoir. Je regarde les commentaires. Meilleure météo que celle qui était annoncée, effectivement. Parlez-vous au château dans les vignes à côté. Ouais, t'as le vignoble qui est juste à côté, qui touche le village, quoi. Donc, c'est très, très beau. T'as plein de petits restos très sympas. Alors, faites attention quand même aux attrapes touristes avec des menus qui sont hors de prix. Il faut juste s'écarter un petit peu de la rue principale et on se régale. Moi, comme je disais, personnellement, je ne vais jamais en festival pour faire des parties de jeux de rôle, personnellement. Hein. J'y vais pour ce que tu as fait, c'est-à-dire rencontrer les gens, discuter, rencontrer des gens, discuter, faire le con, raconter des conneries, puis avoir des infos aussi. Ben voilà, c'était ça. Et donc, du coup, ben, j'ai revu Jean-Christophe des Patins de Ricog, les Barbus, avec qui on a pas mal discuté, même beaucoup discuté. C'était très intéressant. Ben, j'ai recroisé Patrick hein, de OBA, et puis très rapidement, Fribaï, pas trop eu le temps de discuter. Puis elle a fait son petit compte rendu sur Insta ce midi. Alors, elle, c'était un peu plus dur, la pauvre, pour son stand, donc voilà, on compatit. Qui j'ai croisé Belle et Dead Crow, qui étaient tous présents. Entre monde, il y avait Simon et Colline. J'ai quand même eu le temps d'aller leur faire un coucou, donc pas trop longtemps parce que le samedi c'est là où t'as le plus de ventes, donc ils peuvent faire un peu des ventes et tout, donc pas trop envie de gêner en racontant ta vie, tu vois. Donc business qui est un peu normal, quoi. Toute la bande de Scandalicious, toute la partie chapiteau qui est à l'extérieur. T'avais Xavier, t'avais Sylvain pour Elestria avec Robin, t'avais Bruno qui était là, Bruno Guérin. Il y avait tout le stand d'Alconost, Cumi des Chimères, Scriptarium aussi. Je suis sûr que j'en oublie, hein, clairement, parce que croisais tellement de monde, comme tu dis. Moi, à un moment donné, je descends, on t'a croisé d'abord, et puis alors après, c'est ok. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ce qui fait que tu restes très longtemps, parce que tu croises plein de gens, tu mets enfin des noms sur des visages. Ça, c'est quand même vachement cool. Et je pense que c'était le plus agréable d'avoir pu croiser plein de gens, de papoter et puis raconter tellement de conneries. Donc c'était très amusant. Voilà. Ouais, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens que tu vois, que tu échanges à distance et puis, puis quand ils les découvrent en vrai, ben là, tu as une déception parce qu'en fait, c'est les mêmes. Non, ils sont super sympas aussi. Ouais, franchement, ouais. Et puis voilà, des éditeurs aussi que tu vas croiser dans un cadre. Alors certains, c'était la première fois qu'ils venaient. Je pense par exemple à. Patrick pour OBA. Je sais pas si Entremonde ils étaient déjà venus. Je crois pas. Semble pas. Voilà.
Bon, bah forcément, les barbus et les gros, ils y sont régulièrement, ce qui est un peu normal. Il y avait Jean-Marie Noël et Loïc Musy. Alors, Loïc, lui, était déjà venu. Jean-Marie, c'était la première fois qu'on avait interviewé pour la Elite. Donc, on a. Voilà, lui aussi, il a mis un nom sur le visage à distance. Donc, on a beaucoup, beaucoup rigolé avec Jean-Marie. Il faut bien le dire. Donc, voilà, croisé plein de monde et c'était vraiment très cool. Donc, je vois que Sloppy se dit ouais, l'année prochaine, je viens. Mais oui, viens. Elvin Arc aussi. Non, franchement, c'est. Alors, cette année, il y a eu plus de monde que les années d'avant. Clairement. Ça, oui, je le dis. Parce que Ils ont fait 50% de fréquentation en plus. Ouais, ouais. On me disait, le plus jeune joueur avait 3 ans et demi. Ouais, possible. Le plus vieux, 92. Et ouais. Le plus jeune MJ, 11 ans, je crois. Ouais, excellent. Et je vois Elwin qui met une remarque. Oui, c'est un gros coup parce que. Kaisersberg, c'est pas sur les grands axes, quoi. Donc, forcément, niveau des places. Bon, après, t'as Colmar, qui a 10 bornes, quoi, même pas. Donc, bon, ça reste encore jouable. 3 ans et demi, il a fait du Shadowrun V6, bien sûr. V3, même, d'ailleurs. Soyons fous. Oui, il faut vendre pour amortir, je suis d'accord. Après, est-ce que les stands sont peut-être pas un peu moins chers à Kaisersberg qu'ailleurs ? Tu vois, aussi, il faut aussi faire le rapport... Je parle pour les éditeurs, là, pour le coup. Hein. Mais en termes de com, c'est un festival à taille humaine, quoi. Et ça draine un public de rôlistes. C'est ça aussi qui est vraiment cool. Et qui est très intéressant. Et David, qui fait partie de l'Orga, et qui est aussi donc, chez Booking Games, alias Deadcrow, qui m'a envoyé un petit message pour me dire, petite info, pour le week-end, attention, il y a eu 300 tables de jeux de rôle qui ont été jouées. C'est incroyable. Bien. Et ils étaient en train de finir de remballer quand ils m'ont envoyé le message à 13h, t'imagines ? Ouais, bon, après, on sait ce que c'est, hein, les festivals, les lendemains. Et qu'il faut tout remballer. Et qu'on est crevé. C'est toujours un peu compliqué. Le lendemain, des fois, c'est le jour même. Hein. Le soir même. Oui. Soir même. Ça, pour Étrange Grande, je confirme, c'était le soir même, mais il en restait encore le lendemain. Mais bon, ça... Voilà. Oui, il faut prendre fallait prendre la calculette, Elvin, tout à fait. Ouais. Ah puis oui, il faut la route pour rentrer, etc. Ou alors tu te prends un jour de congé le lundi, enfin tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais c'est vrai que quand tu peux pas prendre de jour de congé, c'est compliqué. Moi, le lundi matin, on court à 8h, waouh ! Oui, et c'est un festival qui est entièrement gratuit pour les visiteurs, on le rappelle. Voilà, ça, c'est quand même important. Ouais, ça c'est important, mais sur les festivals, enfin, je parle, nous on organise un festival gratuit aussi. Voilà, on peut soutenir l'orga en prenant la restauration, la buvette et puis tous les trucs qui vont bien. Les tombolas, les machins, etc. Enfin, ouais, les trucs, bien sûr. Un truc classique entre guillemets, mais qui permettent à une asso d'avoir un peu de ressources quand même. Un peu normal. Surtout quand on se casse la tête à organiser un truc comme ça. Et je pense qu'ils ont dû être surpris par l'affluence de cette année, quoi. Oui, puis ils ont vraiment fait l'effort de décorer tout le village. Il y avait des dragons, des Cthulhu, des panneaux, attention, traversée de dragons. Enfin, j'ai vu un coffre mimique posé à un endroit. Enfin, tout était des drapeaux, des bannières. Enfin, c'était archi décoré sur tout le village. Ouais, c'est un très, très chouette festival. Et c'est le bouche à oreille qui fait que tu as de plus en plus de monde qui y va. Et puis, des éditeurs qui veulent venir, mais... Comme le disait David et Coraline, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Enfin, tu le vois de toute façon à l'organisation, comment c'est ? Tu ne peux pas mettre 150 millions d'éditeurs. Parce qu'il y a clairement maintenant de la demande. Il y en a beaucoup qui veulent venir. Et tu peux pas accueillir tout le monde. Donc ils sont obligés de sélectionner. Et je sais que ça fait un peu grincer des dents, mais tu ne peux pas inviter tout le monde, quoi. Voilà. Donc, mais en tout cas, super cool. Hein. Parce que toi, tu t'es régalé. Moi, j'ai pris plaisir. Peut-être que l'année prochaine. Ça dépendra du boulot, mais peut-être l'année prochaine, on restera le week-end, mais toujours sans jouer. Ou alors, on fera les afters, tu vois, à la brasserie, par exemple. Enfin bon, on dit ça, on dit rien. Donc ouais, une affluence telle qu'ils ont dû vite faire des courses dimanche matin pour la buvette. Ah bah dis donc. Oui, et puis le dimanche à 14h, moi j'ai fini ma partie à 13h. À 14h, ils commençaient à dire « Dépêchez-vous de manger, c'est les dernières flammiches, quoi. » Ah ouais. L'épée. Donc voilà pour Kaisersberg. Ben, c'est super intéressant de vous entendre faire ce retour. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je vais dire déjà, rien que pour visiter déjà, c'est beaucoup. Depuis longtemps. Ouais. Mais rien que pour visiter déjà, c'est beau.
Voilà. Déjà avec le cadre. Ouais, je pense que je vais y retourner parce que là, j'y étais allée toute seule. Je pense que je vais y retourner avec, avec la petite famille. Visiter, ouais. Juste sans le festival. Et puis au moins, j'ai repéré déjà les endroits là où il y a les bonnes glaces et là où il y a les bons. Il y a ce qu'il faut là-bas, effectivement. Ok. Eh ben, écoute, voilà. En tout cas, comme on disait, hein, surtout le grand plaisir à retrouver tout un tas de gens avec qui on fait les cons, soit sur Discord, soit pendant les chats, tu vois. Mais là, voilà, au moins, on voit les gens et c'est quand même plus agréable, quoi. C'est toujours plus agréable, de toute façon. Là, on a reçu des quelques photos qui commencent à revenir. Et, j'en ai vu, là, ouais. Moi, à me dire, attends, lui, c'est machin, lui, c'est le truc. Je refais un trombinoscope de qui j'ai vu. Pour ne pas oublier, parce que j'ai une telle mémoire. Puis là, il faut retenir le pseudo, le prénom, la chaîne, des fois. Ah oui. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Ok, 14h. 14h, tu manges encore, toi. Ah, t'es comme ça, toi. Ça dépend à quelle heure tu t'es levé. Oui, Dice Story était présent, bien sûr. Il y avait Maxime et Fred, enfin Manitou et KFR. Dès que je connais les prénoms, après, j'utilise plus les pseudos. Donc, c'est vrai. Donc, oui, ils étaient présents et ils ont essayé de faire du live en 4G. Bah, ça marchait pas, donc du coup, ils ont fait de l'enregistrer. Et t'as David qui leur a répondu en disant, mais en fait, les gars, il y avait une connexion, il fallait le demander. Mais oui, les gars de Dice Story, purée, mais demandez à leur gars, quoi. C'est le minimum. Non, je vais taquiner un petit peu, ça me fait plaisir. Yakuro de la constellation d'Orion qui est passé. Eh ben quoi, tu vois. Oui, il y avait Tomoun, effectivement. Merci Arsène. Oui. C'est vrai qu'il y avait Tomoun qui était là deux jours avec madame, avec le chef. Voilà. Parfait. Ben, moi, je vais en profiter pour embrayer sur le petit zoom de ce soir sans transition aucune. On va parler un peu de Cthulhu. Oh ben, ça faisait longtemps. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, ça faisait un petit moment, effectivement. Hein, au moins 3 semaines. Oh, facile. Ah oui. Écoute, je vais vous parler de ceci. Attends, on va se mettre comme ceci. Paf. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pas fait de feuilletage vidéo. Bah, pour une raison très simple, c'est que c'est une campagne. Donc, je vais peut-être éviter un feuilletage qui pourrait vous spoiler quand même. Ce serait un petit peu dommage. Voilà, donc je vais vous montrer quand même un petit peu la maquette, voir comment ça se passe. Donc, je vous présente le Flambeau des Profondeurs, une campagne pour Pulp Cthulhu. On rappelle que Pulp Cthulhu, c'est un gros bouquin qui est une extension de la V7, qui permet de donner un côté vraiment beaucoup plus pulp à ce que vous faites dans l'Appel de Cthulhu, quelque part qui colle un peu avec les campagnes type de l'Appel, c'est-à-dire des campagnes où tu parcours le monde entier, etc., qui font un petit peu des gros clins d'œil à Indiana Jones, hein. Il y a toute cette période littéraire des fameux pulp. Et donc là, on a des règles un petit peu plus péchues, en tout cas, où on se prend de la santé mentale, mais peut-être un peu moins, on a des points de chance, des choses comme ça, qui permettent de booster un peu les parties, puis de vivre des trucs complètement hallucinants. Donc, le Flambeau des Profondeurs, de son petit nom Fire Cold Within, voilà, c'est édité, donc c'était chez Chaosium, hein, c'est édité chez Edge Studio, prix de 39,99€ pour à peu près 160 pages. Je vais vous donner juste le... Dans l'ours, hein, le minimum, ça a été écrit par Christopher Smith Adair et ça a été traduit chez nous par Léna Géné. Voilà, ça, moi, vous avez la base. Alors, comment ça se présente? Déjà, premièrement, vous aurez donc 7 chapitres et des appendices. Le premier chapitre, qui est l'introduction, qui va vous présenter le cadre de jeu, les grands enjeux, les différentes factions, ce que vous allez pouvoir incarner. Ça, c'est un petit peu la base, on va dire. Et ensuite, vous avez 6 chapitres de la campagne, dont le 6e est optionnel, je vais y revenir. Et ensuite, bah, toutes les appendices avec les pré-tirés, des tomes du mythe, des sortilèges, des nouveaux équipements, etc. Raccord avec la campagne, bien évidemment, c'est pas pour se faire plaisir. Quel est le thème? Alors, déjà, on est en 1935. 1935, on démarre aux États-Unis, on est encore dans la Grande Dépression. Je vous rappelle quand même que c'est pas un cadre particulièrement joyeux. Plus la montée des fascismes. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc c'est la grande joie un peu partout dans le monde, vous l'aurez bien compris, ben c'est la période qui veut ça. Pourquoi je vous parle de ce cadre important de l'histoire, c'est que ça nourrit certains scénarios. C'est qu'à un moment donné, vous allez croiser des gens qui sont l'équivalent, enfin qui sont des gens qui aiment beaucoup ce qui se passe en Allemagne. Hein, voilà. Avec Brassard, Petit Salut qui va bien, etc. Et puis, comme vous le savez, hein, quand on croise un nazi, la meilleure chose à faire, c'est de lui foutre le poing dans la gueule.
principe de base. Donc, on a une campagne qui va démarrer dans sa structure de façon très linéaire et s'ouvrir un maximum à partir de l'acte 3 et 4. Et là, vous pourrez faire un petit peu dans l'ordre que vous voulez. Donc, il va falloir quand même bien lire votre introduction, puisque vous aurez donc voilà un petit peu le genre de maquette. C'est les maquettes classiques qu'on a chez Chaosium, donc c'est extrêmement lisible. Je trouve bien plus visible que notre cher V6 de Sans Détour, qui avait son charme, hein, je crache pas dans la soupe. Hein. Mais en termes de visibilité, c'est quand même un peu mieux, puisque ça alterne ces jolis dessins en noir et blanc, sépia, et puis des photos d'époque. Je vais essayer de vous en retrouver une ou deux quand même, pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Voilà, vous avez des petites photos d'époque avec Manhattan dans les années 30, tu vois, on voyait encore que c'était une île, des petits défilés, des choses comme ça. Donc ça alterne entre ces deux types d'iconographie, et comme je disais, bah, tu as d'abord une chronologie des différents événements avant que les PJ arrivent dans l'histoire, et ce qui est très, très intéressant, c'est ce qui sous-tend toute l'histoire, c'est que ça reprend une des nouvelles de Lovecraft, dont je pense que personne ne s'en était jamais servi avant. Donc j'essaie de retrouver le nom, c'est le tertre de Lovecraft, qui parle justement de pouvoirs psychiques, de sectes, etc., de gens qui se croient des réincarnations, enfin bon bref, donc très très peu utilisé, voire pas du tout, enfin en tout cas je ne m'en souviens pas personnellement, et puis c'est pas une des nouvelles qui m'a le plus marqué en plus de Lovecraft, donc ils se servent de cette base là, puisque dans les prétirés que vous allez avoir, dans les héros, on vous recommande déjà de faire partie d'une faction, pour faciliter hein, l'introduction des personnages dans l'aventure, qui s'appelle le groupe de l'esprit ouvert, et soit des gens qui maîtrisent les technologies, soit des gens qui ont des pouvoirs psychiques, puisque dans Pulp Cthulhu, on vous le dit, allez voir à telle page de Pulp Cthulhu, vous aurez toutes les règles sur les pouvoirs psychiques. Autant vous dire que ça va servir, pas qu'un peu, puisque certains antagonistes seront dotés de pouvoirs psychiques, on va pas se mentir. Voilà un petit peu le genre de petits dessins, de petites ambiances, etc. Voilà. Je ne lis pas encore les questions, hein. Je les prendrai après si ça ne vous dérange pas. Donc voilà, on vous explique comment gérer les personnages s'ils pètent un câble ou s'ils meurent en cours de route, ce qui peut arriver. Enfin, dans Pulp Cthulhu, on a quand même plus de chances d'arriver au bout. C'est un peu plus difficile de mourir que dans la. Un peu plus difficile, mais enfin bon, pas non plus faire n'importe quoi, hein, on est d'accord. Et puis la folie, bien sûr. On vous explique une brève histoire de la parapsychologie et puis des différentes approches, parce qu'on rappelle quand même que début 20e, on avait encore des approches scientifiques ésotériques du mystérieux, voilà, du spiritisme, des choses comme ça, des pouvoirs psy, on pensait que ça existait vraiment. Et on vous rappelle quand même, enfin je vous rappelle, que le thème des surhommes, qui a été repris ensuite aux États-Unis dans les années 50 avec les super-héros, etc., mais le thème des surhommes, c'est d'abord des thèmes français et anglais, très exploités dans les science-fictions, qui malheureusement ont été repris par des idéologies nauséabondes, hein, Ubermensch, hein, je vous en passe, et des meilleurs. Mais en tout cas, voilà, les thèmes des homo supérieurs et puis les pouvoirs psychiques, ça vient de cette époque-là. Et on vous explique un petit peu comment vous vous insérez là-dedans. On vous explique donc l'essor de l'autoritarisme. Et comme je vous disais, donc l'idée de récit de Zealia Bishop dans le tertre, avec les notions de monde souterrain. Vous savez, le Thulé, la terre creuse, tout ça. Voilà, sachez qu'en 1930 et quelques, il y a des gens qui pensaient encore que la Terre était creuse et que non, il n'y a jamais eu de gens qui sont allés au pôle Nord et au pôle Sud. C'est pas vrai. C'était pas encore totalement cartographié, hein. C'était en cours, mais pas totalement. Et il y a toujours des gens qui croient que la Terre est creuse. Bref, soyons fous, ou la Terre est plate. Donc vous aurez des gens en face qui s'appellent la Ligue des Hommes Oubliés, qui seront vos adversaires. Et on attaque tout de suite avec le premier chapitre, vie antérieure et mort future. Là, on va vous poser le cadre à quelque chose de très classique. Madame qui vient chercher les aventuriers en disant « Voilà, mon mari a disparu, aidez-moi s'il vous plaît. » Il trafiquait dans un club un petit peu louche. C'était un petit peu des trucs trop bizarres avec des gens pas très recommandables. Et votre enquête commence donc à Manhattan. Et vous allez rencontrer assez rapidement sur la piste donc, de Brendan Sterling, hein, donc la personne qui a disparu, assez rapidement, vous allez croiser des individus que vous allez retrouver tout au long de la campagne, avec donc, énormément des plans, des aides de jeu, comme d'habitude hein, dans l'appel de Cthulhu, hein, il y en a partout, c'est un peu ce qui fait le charme de l'appel, un type qui s'appelle donc Monsieur Fontenelle, donc, lui je pense que vous le verrez assez régulièrement, et un de ses acolytes qui s'appelle Monsieur Argus Ferdinand, de son petit prénom. Voilà, c'est deux personnes, j'en dis pas plus.
je vous laisse vous amuser avec. Et assez rapidement, dès que vous commencez à foirefouiller, vous allez être projeté dans des mondes oniriques. C'est un peu le thème Fire Cold Within à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils appellent ça Flambeau des Profondeurs. Donc, pas évident à traduire. Mais en gros, vous allez commencer à explorer des mondes au-delà du nôtre. Et très très rapidement, donc, d'où l'idée d'avoir des pouvoirs psychiques, des projections astrales et des choses comme ça. Et je ne spoil pas la campagne en disant ça, parce que c'est le principe de base. Vous allez avoir ce premier acte avec, on vous parle de cristaux. Et l'avantage de ce premier scénario, c'est que vos personnages, s'ils sont malins, s'ils font les bons jets de dés, etc., ils peuvent tout de suite basculer au chapitre 6, dès le début. C'est une option, hein. Mais tu peux tout de suite embrayer là-dessus. Ou suivre l'aventure. Toi qui vas gérer. Donc j'en dis pas plus, hein, pour pas spoiler. Voilà, un petit peu le genre de petites choses toujours sympathiques, hein, qui fait toujours plaisir quand on les rencontre. Je vous dirai pas comment ça s'appelle. On embraye avec le deuxième chapitre qui s'appelle Esprit Vagabond, où là, par contre, on va aller dans un institut d'études de parapsychologie, on va aller dans les Cat Hills, donc voilà, des montagnes pas très très loin, les Catskills, pas très loin de Woodstock d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le coin, parce que bah, c'est vous suivez la trace de ceux qui ont disparu, et puis vous commencez à comprendre qu'il y a des gens pas recommandables qui sont allés dans ce coin-là. Voilà, vous allez vous balader là-bas, ça va être très sympathique, vous faites peut-être la rencontre avec les disparus, vous verrez bien. Donc beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. C'est là que vous comprenez qu'il s'en passe des vertes et des pas mûres de l'autre côté du miroir, comme on dit. Ensuite, vous avez un scénario, le troisième, qui s'appelle, regardez-moi cette belle ambiance, qui donne tellement envie, Plonger dans l'inconnu. Donc là, cette fois-ci, on arrive dans un village très, très à l'écart du monde. Et à vous de voir si dans ce village, vous pactisez, ou vous affrontez, ou vous négociez avec le chef du village. Je n'en dis pas plus. Mais ça peut être intéressant, ça peut être des choix assez, des choix moraux assez intéressants. Puis surtout, on vous met bien en avant les problématiques de montée, d'autoritarisme et des choses comme ça. On vous y a un petit encart que j'ai trouvé très sympa qui s'appelle Rustre des montagnes. En termes de représentation médiatique, les paysans de la région des montagnes sont souvent considérés comme inférieurs, consanguins, illettrés, etc. C'est les classiques, les pensifs de la littérature lovecraftienne. Je t'en passe, il est meilleur. Hein. Là, ils te disent, c'est comme ça qu'on les décrivait à l'époque, mais en fait, c'est simplement qu'ils avaient le même taux d'urbanisation et d'alphabétisation que le reste de la population. C'est juste qu'on n'allait pas les voir. Alors, c'est sûr que si tu allais dans des petits villages complètement isolés, reculés du monde, comme pour ce scénario, bon, là, oui, tu peux dire un peu consanguin, mais j'allais dire, bon... C'est pas les États-Unis non plus, tu vois. Donc là, il y a un petit rappel historique pour dire non, bah alors Lovecraft, il est gentil, mais quand même, quoi. Hein, ne jouez pas trop sur les vieux clichés pourris, quoi. Bon, sauf pour les besoins de ce scénario, mais on te le précise. Et donc voilà, tu vas chercher une grotte, tu vas trouver une grotte. Que vas-tu trouver au-delà de cette grotte? Un monde perdu à la lumière bleue. Mmh. C'est les petits fauteuils hein, qui vont bien. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais effectivement, vous allez atterrir dans un monde bleuté. Et non, ce n'est pas ce rêve bleu. Mais alors, pas du tout, c'est plutôt ce cauchemar bleu. Et ça ne chante pas. Ou alors d'horreur. Il va falloir courir très vite. Très, très vite. Donc, ce que j'aime bien, c'est ce petit plan, hein, voilà, qui vous montre que vous êtes ailleurs. Hein, voilà. On ne vous en dira pas plus. Et c'est là où, dans ce scénario, le 4, où on arrive sur du bac à sable. D'où ce plan. Parce que vos personnages auront plusieurs possibilités d'accéder au chapitre 5, qui est le temple, machin, etc. Le temple maudit, si vous voulez. Et c'est les joueurs, en fonction des rencontres qu'ils vont faire dans ce scénario 4, des endroits qu'ils vont visiter, bah, ils vont avoir deux façons d'accéder au final. Donc on est vraiment sur du bac à sable avec plein de factions, plein de personnages, des villages, et des ruines, enfin voilà. C'est très 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 bien présenté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils pour vous aider à maîtriser. Peut-être qu'un de ces jours, on verra si on peut faire des émissions spéciales conseils de maîtrise, mais franchement, celui-là, il y a du gros, gros taf dans le chapitre 4, mais voilà, il y a beaucoup, je vous montre vite fait, les petits encarts, note à l'intention du gardien, c'est assez récurrent dans ce chapitre-là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous aider à bien le prendre en main. Et vous irez vers un temple d'anciennes divinités, voilà, hein, juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance, c'est le cauchemar bleu, comme je vous le disais. Voilà, voilà, voilà. Donc vos joueurs vont s'amuser là-dedans. Et tu peux finir le scénario à la fin du cinquième chapitre.
donc qui s'appelle L'Ascension du Soleil Noir. Qui a un petit côté, pour ceux qui connaissent, Nadia et le secret de l'eau bleue, tu vois, avec le Nautilus, tout ça, quoi. Ok. Ou Atlantide, les mystères perdus. Mm-hmm. Ou Voyage en centre de la Terre. Ah, bon, tu m'as compris. Tout ce genre de trucs qui se passent un peu sous terre. Donc, la ville entre les pôles. On vous présente à chaque fois, au début de chapitre, on vous représente les personnages importants de l'acte, les lieux importants, etc. Voilà, c'est au niveau du découpage, c'est toujours comme ça, avec les événements clés, et ensuite, après, les joueurs se débrouillent. Alors, le dernier chapitre, bien évidemment, vous arrivez dans le temple, et là, c'est un petit peu, par contre, un petit peu plus speed, voilà, avec labyrinthe, etc. Par contre, la façon dont vous allez résoudre le final, ça va dépendre des choix que vous avez fait avant, dans les deux précédents chapitres. Selon que vous préférez la voie plus psychique ou plus technologique. C'est tout à fait possible. Donc, il y a une possibilité d'embrayer ensuite sur le dernier chapitre, qui est, comme je vous le disais, sauvetage temporel. Je ne veux pas vous en dire plus parce que le titre, vous avez bien compris que on n'est plus au-delà des mondes, on est carrément dans une autre époque. Voilà. Et comme je vous disais, c'est totalement optionnel. Si vous le jouez, franchement, ça va être chaud patate. Et au retour, je pense que vos personnages, la santé mentale, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud parce que vous allez voir et apprendre beaucoup de choses sur d'anciennes espèces, d'anciennes cités, des choses enfouies, etc. Donc, c'est pas mal du tout, avec un final encore plus péchu que le 5, qui était déjà bien, bien cramé. Hein. Alors, le 6, c'est encore pire. Maintenant, après, si vous arrivez au bout du bout, on vous présente... Alors, attention, si vous échouez partout, si vraiment les joueurs sont nuls, vous pouvez prévoir que les grands anciens arrivent sur Terre, etc. Hein, parce qu'on essaie toujours de sauver le monde dans l'appel de Cthulhu, et encore plus dans Pulp Cthulhu, sinon on n'est pas dans Pulp Cthulhu. On est bien d'accord. Voilà. Et enfin, je termine avec la galerie de tous les pré-tirés. Non, ça, c'est les PNJ, pardon. C'est pas les pré-tirés, ceux-là. Ça, c'est les PNJ. Voilà. Les pré-tirés que voici. Que voilà. Voilà comment ça se présente à chaque fois. Et vous avez des profils qui se complètent les uns les autres, bien évidemment. Donc, le premier, c'est Boris Konev, qui a 55 ans. Lui, c'est un chef de secte mystique. Voilà. La deuxième, 25 ans, elle est mécanicienne et aviatrice. Et elle s'appelle Jean Bernard. Donc, je rappelle aux petits rigolos, parce que j'en ai vu quelques-uns qui croient qu'on met de l'inclusif partout et que du coup, une femme, on l'appelle Jean. Mec, réveille-toi. Jean, ça veut dire Jeanne. Voilà. À un moment donné, il faut descendre un petit peu de son perchoir complètement débile. Petit aparté, parce qu'à un moment donné, il y a des trucs jolis, je me dis, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut être con à ce point-là? Ensuite, à 31 ans, vous avez Laura Russe-Cheversky, qui a 31 ans, qui est journaliste d'investigation. Que voici, que voilà, la baroudeuse, quoi, hein, un petit peu. Ensuite, ici, nous avons Mac, alias Macario Ortiz, un soldat, 28 ans. Vous aurez ensuite Myriam Blackmore, qui est scientifique, Morgan Dunhurst, 37 ans, explorateur. Je ne vais pas tous vous les faire, mais en gros, voilà, à chaque fois, vous avez leur vie, leur profil, leur talent peuple, leurs compétences, leurs idéologies, etc. Tous les plans, je ne vais pas vous les montrer, mais tous les plans y sont. Vous pouvez aussi les télécharger sur le site de Edge ou sur le Discord, comme d'habitude, c'est toujours bien pratique. Donc, tout un tas de plans, les tomes du mythe, sortilèges et nouvelles compétences. Donc, par exemple, vous avez la quête de l'Edenarien. Ça va un peu avec les mystères de Tulé, hein, parce qu'on rappelle que chez les nazis, dans les années 30, il y avait des gens qui étaient dans les délires ésotériques, hein, Tulé, etc. Enfin, voilà. La terre d'origine des fameux Indo-Européens, des Aryens. Enfin, voilà. Des nouveaux sortilèges qui vous serviront pour la campagne, nouvelles compétences qui sont des cultures spécifiques, des langues spécifiques, les sciences en parapsychologie, et des pouvoirs psychiques adaptés à la campagne, des équipements et des véhicules adaptés au monde dans lequel vous allez vous balader, voilà, avec un métal qui s'appelle le métal Tulu. J'ai beaucoup aimé l'appellation. Et puis on finit avec une petite illustration qui vous rappelle quand même qu'on est dans Pulp Cthulhu, les enfants. Hein, voilà, on tire sur des bébêtes et puis on leur met des coups de machette magiques. Voilà qui conclut un petit index, hein, bien évidemment. Voilà qui conclut le flambeau des profondeurs. Je reviens en mode normal. Alors, du coup, ouais.
l'intrigue elle-même, sans la déflorer, elle est sympa, c'est intéressant, oui. Ça t'a plu. Ah oui. Je pense que ça a dû s'entendre la façon dont j'en parlais. Oui, elle est très intéressante parce que je rejoins beaucoup l'avis de Tristan Lhomme que j'avais été un petit peu regardé aussi, parce qu'il chronique régulièrement tout ce qui sort pour Cthulhu, notre cher Tristan. Je rejoins pas mal son avis, c'est-à-dire que ça se base sur une nouvelle qui est très très peu connue déjà. Je ne sais pas si vous deux, vous connaissez le tertre. Moi, j'avais dû le lire, mais il y a une éternité, je m'en souvenais même plus, quoi. Donc, j'ai été la relire, d'ailleurs, depuis, hein, dans la fameuse intégrale que vous voyez derrière moi, là. Donc, voilà. Ah, si, je rappelle, tiens, que dans ce livre-là, il y a un signé. Vous savez, on peut faire des livres directement en boutique, sans passer par un financement participatif, avec un signé. Moi, je dis ça, je dis rien. La mini-cartouche qui passait par là. C'est toujours pratique d'avoir un signe. La cartouchette. Ouais, c'est ça. C'était mignonné, quoi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé pour être plus raccord avec le truc? Oui, elle est très intéressante dans sa construction, parce que comme je disais déjà, la base d'inspiration n'est vraiment pas connue. Donc, on sort des poncifs à la Totep, Shub-Niggurath. Peut-être qu'on y fait référence à un moment donné, mais pas vraiment, c'est pas vraiment le truc principal. Les divinités qui sont citées là-dedans, je ne vais pas vous les donner. Mais sincèrement, je ne me souviens pas les avoir vus dans un autre scénar. Quand même. C'est quand même intéressant. Pas de Cthulhu. Alors, on y fait référence, bien évidemment, parce qu'on est dans le mythe de Cthulhu. Mais il ne sera pas dedans. Il n'y a pas de Nyarlathotep. Il n'y a pas d'Azathoth. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Hein, tous ceux dont on a l'habitude. Il n'y a pas de chien de Tindalos. Il n'y a pas de Migo. Il n'y a pas de sombre, de maigre bête de la nuit. Enfin, bon, vous m'avez compris. Tout le bestiaire classique qu'on connaît n'est pas dedans. Donc, déjà, ça apporte une fraîcheur, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans Cthulhu, donc parler de fraîcheur dans Cthulhu, ça fait toujours bizarre. Mais donc déjà, il y a ce côté sympa dans le fait de se dire, on part sur quelque chose qui est un petit peu différent. Alors, on retrouve les poncifs, hein. Mon mari a été enlevé, aidez-moi à le retrouver. Une secte un peu bizarre, avec des gens dans les montagnes un petit peu bizarres, une grotte qui vous emmène ailleurs. Et à partir de là, par contre, là, c'est là où ça m'a vraiment le plus accroché, parce que le début est très classique, mais il le dit dans le présupposé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dès l'introduction, lisez bien les 10 premières pages, très très important, on vous explique vraiment tous les présupposés de la campagne. Donc, mettez-vous bien tout ça en tête pour essayer de construire votre histoire et bien rebondir sur ce qu'on va choisir vos persos, parce que dès le chapitre 1, ils peuvent tout de suite basculer sur le chapitre 4, selon les choix qu'ils vont faire. Ou le chapitre 6. Donc il va vraiment falloir se prévoir des branches pour se raccorder, et surtout prenez beaucoup beaucoup de notes pour le chapitre 4, parce que c'est celui qui permet qu'il y ait le plus bac à sable de tous. Donc voilà, écoutez vos joueurs, je ne peux pas vous dire mieux, préparez un maximum de choses pour leur donner du répondant, et soyez prêts à ce que ça décroche à un moment donné. Il n'est pas obligé que ça reste sur des rails. Là, je vous ai fait un résumé très rapide de chacun des 6 actes. Mais comme je t'ai dit, du chapitre 1 et 2, tu peux les faire à la limite ensuite. Tu peux ensuite du 2 directement basculer sur le 4, ou juste avant le 4, revenir sur des événements du 2. Enfin voilà, tu peux retourner à l'institut, etc., rechercher d'autres preuves. Enfin, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Donc moi, c'est cette liberté-là, avec tous les conseils qui vont, qui m'ont vraiment, vraiment accroché. Et ça me change effectivement d'autres campagnes un peu plus classiques dans leur fonctionnement, quoi. Donc ouais. Et puis c'est Pulp Cthulhu. Je t'avoue que j'aime beaucoup Pulp Cthulhu, vraiment. Ça lui donne un rythme que tu n'as pas. C'est des cordes raies qui se rajoutent à la V7, hein, attention. Mais je trouve que ça lui donne vraiment un rythme qui est très très sympa pour l'appel de Cthulhu. Donc voilà pour ma chronique. Du flambeau des profondeurs. Tu vois, je cherchais le titre. Le titre. J'ai passé 20 minutes à en parler, mais bon, ça va. Impeccable. Voilà, je regarde s'il y a eu des petites remarques. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors on vous reparle de Cthulhu très vite, parce que moi, de mon côté, je suis dans la lecture d'une grosse, grosse campagne aussi qui s'appelle Les Enfants de la Peur. Voilà. Qui est très intéressante, à mon avis. Voilà, en tout cas, j'en suis à la moitié à peu près. Hein, donc, j'espère finir ça assez vite. Pouvoir échanger avec vous. Ouais, parce que c'est vrai que tu vois, c'est tout le monde qui est de la réédition des masques de Nyarlathotep. Tout le monde, je pense pas. Je pense pas non plus, mais il y a des fans hardcore qui veulent la V2 des masques.
Mais franchement, entre les enfants de la poche... qui veulent le chapitre surtout qui a été rajouté. Là. Ouais. Ouais, ouais. Mais franchement, quand tu... bah, les enfants de la peur, moi je l'ai acheté, donc je l'ai aussi. Entre les enfants de la peur et celui-là, et puis déjà le serpent de tête, hein, dont tu avais déjà parlé aussi. Enfin, voilà quoi, tu peux faire autre chose avec l'appel de Cthulhu et des trucs vraiment cool quoi. Donc je regardais discrimination vers les nazis. Oui, oui, tout à fait, je suis totalement intolérant contre ces gens-là, moi. C'est un peu comme Indiana Jones, tu vois. J'aime pas ces gens-là. le conjoint de Marie donc Pierre Curie était très intéressé par une médium, on confirme. Oui, bah, on a encore des relents de cette époque-là chez nous, hein, encore maintenant. Hein, mm-hmm. Les écoles Steiner-Waldorf, la biodynamie, ça repose sur des concepts qui ne sont pas... voilà, hein. La mémoire de l'eau. Tout à fait. L'homéopathie, ouais. Ah oui. Ah oui. Bref, ou les chemtrails. Vraiment, enfin, on pourrait tous les théories du complot, il y en a tellement, on pourrait s'amuser des heures et des heures. Enfin, s'amuser, c'est un bien gros mot. Alors, tac, 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 je vois beaucoup de blagues sur la Terre creuse. Un chat de Saturne, tout à fait, Dave Sunshiner, c'est exactement ça. Assez rapidement, d'ailleurs. Woodstock, c'est Prédikea. Elle est très mauvaise, Sloopy. Tu peux faire mieux, quand même. Salut Obsidian, qui vient d'arriver. Ok, j'essaie de descendre. Ça me fait penser à quelqu'un, cette histoire de Jean. Oui, je l'ai vu sur info. Je crois que c'était sur le forum de Black Book. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça, parce que j'ai trouvé ça tellement débile. Ah, surtout qu'il y a sans... des personnages emblématiques, quoi. T'as Jean Grey, t'as... Bah ouais, c'est ça, déjà. Oui, non, mais c'est ça. T'as vraiment des gens qui naissent avec des moitiés de cerveau, c'est pas possible, quoi. Ah, ben là, c'est même plus une moitié, si tu veux. C'est les deux neurones qui restaient entre... Chacun à côté de l'oreille, si tu veux. Bon, bref. Salut, Chamaël. Voilà. Moi, je boot parce que c'est vrai que Chamaël... ben, on s'est raté. Donc, c'est un peu la tristesse de Kaisersberg. Alors... Les deux campagnes difficiles, je dirais pas difficiles, mais en tout cas, elles vont te demander d'être préparées. Parce que comme c'est des choses qui sont plus basées sur l'action, action-réaction, que sur de l'investigation, passer du temps en bibliothèque, trouver objets cachés, etc., qu'effectivement, bah, les choix des joueurs, ça peut aller très vite. Donc, c'est ça qui va demander de la préparation. Et dans leur structure, elles démarrent en linéaire avant de s'ouvrir et de repartir en linéaire. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à préparer. Après, je sais pas si c'est le cas pour celle-là. Moi, j'en parlerai beaucoup plus longuement lorsque je vous parlerai donc des enfants de la peur. Mais par contre, je trouve qu'elle est excellemment documentée, excellemment rédigée. Enfin, il y a vraiment plein d'idées, etc. Par contre, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était écrit vieux. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que vraiment la façon. Enfin, en lisant, il y a vraiment des moments où je me dis, est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent comme ça aujourd'hui ? Vraiment. Ouais, tu vois, par exemple, dans Les Enfants de la Peur, tu as quand même, je crois, une double page, plus de ça, qui t'explique comment faire en sorte que tes investigateurs, ils arrivent au début de la campagne, quoi. C'est-à-dire dans l'endroit où ils doivent commencer la campagne. Et tu te dis, mais attends, tu pars sur une campagne qui va durer 2 ans de temps de jeu, vu tout ce qu'il y a à faire, tu vois, machin. Et les mecs, tu leur dis pas de créer leur perso, avec un background qui fait qu'on commence dans telle ville, ça c'est imposé, et après tu... Non, tu vois, là... Pendant 2 pages, on t'explique, bon alors s'ils viennent d'Amérique, s'ils viennent de là, s'ils viennent de trucs, s'il faut qu'ils... Tu vois, et tu te dis, mais c'est pas vrai. Et il y a pas mal de moments comme ça où vraiment j'ai eu l'impression de lire une campagne rédigée dans les années 90. Quoi. Alors que je la trouve très très bonne, hein, en tout cas jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas si c'est, cas, si c'est le cas sur celle-là, mais vraiment, je la trouve écrite un peu vieux. Quoi. Ouais, alors sur celle-là, en fait, ils ont trouvé le truc... comme ça se base sur les pouvoirs psychiques, de mettre un club de gens voilà, qui travaillent là-dessus, etc., dont les PJ font partie. Donc, on vous conseille fortement de prendre les prétirés, hein, très, très sincèrement, ils sont adaptés au truc. Donc, moi, je me ferais plaisir avec les prétirés. Parce que en créer un exprès, bah, prévoyez quand même soit les pouvoirs psychiques, soit les mécanos, parce que ça va être très, très, très important, pour pas dire vital, en fait. Donc, prévoyez des persos comme ça pour qu'ils puissent se raccorder. Et effectivement, tu as une page pour te dire, bah, vous faites partie de tel club, bah, la dame qui vient vous voir, elle vous connaît parce que son mari a dû fréquenter le club à un moment donné. Voilà, pour accrocher le truc. Mais c'est vrai, mais j'ai l'impression que Pulp Cthulhu est plus prévu pour des prétirés
que pour les enfants de la peur ou les créatures perso. Enfants de la peur, en tout cas, sa façon d'être rédigée, ouais, tu vois, t'as des pavés par moment sur la négociation, et si machin, et si tu vois, et si les persos ils veulent pas y aller, bah comment vous faites, et donc tu vois, t'as des, waouh, c'est bon, bref, comme dit Olive, des campagnes en dents de scie. Oui, bah c'est un petit peu pareil quand même, mais en tout cas voilà, je l'aime bien parce que le donne une autre approche quoi. Bon, bah super. Ça fait un côté très Indiana Jones en fait, moi j'aime bien. Voilà, pour le flambeau des profondeurs. Et ben donc, on passe maintenant à un jeu de société, n'est-ce pas, ma chère Aranita? Ben oui, parce que moi j'aime pas que le jeu de rôle, j'aime aussi le jeu de société, puis c'était une envie, je crois que tu avais aussi, Fred, de parler aussi un peu de jeux de société dans l'émission. Ah oui, oui, oui. Et puis ça rejoint aussi une discussion assez intéressante qu'on a eue avec Heisenberg sur le loisir. Et à quel moment c'est un loisir quand tu as besoin de te faire cire 400 pages avant de jouer, quoi. Des fois, tu as juste envie de passer un bon moment sans préparation et puis d'y aller, quoi. Et là, j'ai trouvé un petit jeu un peu super sympa, mais pour le coup simplissime, qui permet de s'amuser. Je l'avais emmené à Heisenberg, mais je n'ai pas eu le temps de faire des parties, tu vois, pour le tester. ça s'appelle « Deux pommes, trois pains ». Donc, les auteurs, c'est Tommy Pope et Clément Gustave, illustré par Clara-Louise Martin et aux éditions Prétexte. Voilà. Je ne connaissais pas. Donc, pour 2 à 6 joueurs, ça se joue en 15 minutes. Mais en vrai, tu peux tenir une soirée avec. Hein. Et il se transforme assez facilement. Alors, 8 ans et plus, rajoutez 10 si vous le transformez en jeu à boire. D'accord. Et combien de joueurs, du coup? 2 à 6 joueurs. D'accord. Voilà. Donc, les explications, la règle du jeu, elle est toute simple. Alors, il y a quand même une règle à l'intérieur. Et toutes les cartes spéciales ont une petite carte tout nette qui expliquant le détail. Donc, on n'a pas besoin de déplier cet immense truc pour jouer, quoi. Enfin, immense, ouais, ça va. Bah, c'est déjà gros pour certains. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des cartes avec des symboles. Je ne sais pas si on les voit bien. Non, on ne les voit pas bien. Ah. Oui, des petites avec pommes, des pommes mignonnes. Et il faut décrire ce qu'on voit. On va les mettre en 3 tas autour de la table. On va à chaque fois prendre une carte, recouvrir l'un des tas et puis dire, bah, je compte tant de pommes et tant de pains. Donc, à savoir qu'il y a un petit comptage un peu particulier, c'est que... Alors, attends. Ça, c'est une pomme. Ça, c'est du pain. Ouais. Et c'est une pomme de pain. Ça, c'est une pomme de pain. Donc, ça compte pour une pomme plus 2 pains. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'où le titre du jeu. C'est que sur cette image, nous avons bien 2 pommes et 3 pains. D'accord. Voilà. Donc, on joue comme ça les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se trompe. Celui qui se trompe ramasse toutes les cartes et ça sera ses pénalités. Et on joue jusqu'à épuisement de la pile. Ah oui, voilà. Ce que j'ai dit à la fin du jeu, c'est quand tu as terminé la pile. Okay. Voilà. Et après, tu as des petits effets spéciaux qui sont sur des jeux de mots. Ben voilà, on reste dans le thème du jeu un peu... Pas stupide, mais pour rigoler, quoi, pour se détendre. Un jeu d'ambiance. Devine ce que fait ça. Bah attends, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça compte pour un pain, parce que bah c'est un pain, mais il est perdu, c'est du pain perdu. Ah voilà, vache. Donc... D'accord. Ouais. Donc il faudra faire moins un point. Alors moi, je pense que je vais l'utiliser en classe pour le calcul mental, en vrai. Ah ouais, carrément, quoi. Parce que... Perdu. Qu'est-ce que c'est ça? Un pain rassis, non? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses ton annonce debout et tu te rassois après. Ah ouais, voilà. Ah, c'est des petits effets que tu fais au fur et à mesure. Un parpaing. Non, c'est une tarte tatin. Ça veut dire qu'il faut d'abord dire le pain, puis les pommes. Ah oui. Oh, wow. Forcément, si tu te trompes, si tu te trompes ou que tu le fais mal, tu récupères les pénalités.
Ce jeu n'est clairement pas pour moi. Je sens que je deviendrais fou. Alors, un plat mexicain, c'est un tacos, non? Une faritas? Non. C'est un pain au lait. Oui, oui, oui. Voilà, donc là, il faut dire au lait quand on fait l'annonce. Enfin, voilà, t'en as même aussi. Donc, à chaque fois, ça compte, hein, le pain au lait, c'est un pain. Hein, donc, oui, oui, je confirme. Tu as la compote de pommes, qui compte pour deux pommes. Excellent jeu de mots. Ah ouais, c'est... Et, qui... c'est et comme ça, c'est hein. Ton pote, en fait, tu la compote, je ne sais plus ce qu'elle fait, tu tapes le point d'un autre joueur en annonçant les pains. Voilà. Bref, la pomme d'amour. Voilà. Et puis ouais. Le grille-pain où tu as un timer pour dire ton annonce, sinon t'es foutu. Donc ouais, alors j'en ferai pas des parties à l'infini, mais pour rigoler en fin de soirée à Kaisersberg ou ailleurs, ça détend quoi. Il coûte pas très cher, moi je l'ai acheté 11,50€. C'est ça, ouais. Après, c'est un peu moins de 12 balles. Ouais, un peu moins de 12 balles. Bon, après je suis dans un magasin où ils font pas trop cher encore, ça va. Pour rigoler un petit peu le soir, c'est pour se détendre. Parce que quand on n'a pas envie, voilà, on sort du boulot. Moi, des fois, j'ai des journées de cours de 9h. Je rentre le soir, j'ai envie de jouer. Ben, voilà, quoi. Ouais, ou comme disait Sloppy, tu peux le transformer en jeu à boire où tu te trompes, tu bois. Oui. Oui, ça, c'est des trucs connus. Ouais, petit jeu d'ambiance, Little Taverne, effectivement, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Voilà. Donc, c'était okay. Un tout petit zoom sur un petit craquage parce que voilà, j'ai pour le coup, je l'ai vu en boutique, je dis, oh, on m'en parle beaucoup et ça marche d'enfer. Super. C'était déjà la deuxième fournée que, à la boutique. Tout était parti, quoi. Ça s'arrache comme ça. Ouais, parce qu'il a un bon bouche à oreille. Un look aussi qui le rend aussi amusant, hein, pour le coup, c'est ce que tu montrais avec les illustrations. Et alors, tu gagnes comment, du coup, dans ce jeu? C'est celui qui a le moins de pénalités qui gagne. D'accord, ok. Ouais, tout simplement. Je ne suis même pas sûre qu'on compte les points. Enfin, je ne l'ai pas pu le tester comme ça, mais je ne suis même pas sûre qu'on compte les points. On s'amuse, quoi. Enfin, ouais. Parce que, forcément, quand il y en a un qui se trompe, il faut dire qu'il y a un pépin. Donc, restes dans la thématique. Après, si faut aimer les jeux de mots, moi je suis archi cliente, donc voilà. Mais oui, non, mais pareil. C'est un peu l'héritier du salade de cafard que j'ai pu jouer avant il y a très longtemps, où c'était un peu la même chose avec des ingrédients qu'il fallait rajouter sans se tromper parce qu'il y avait des mots qui devenaient interdits. La seule chose, c'est que salade de cafard, il s'arrêtait jamais en fait parce que les pénalités qu'on prenait, on les remettait dans nos cartes et on gagnait quand on n'avait plus de cartes. Donc, le jeu pouvait durer à l'infini. Ouais. Là, ici, on épuise la pile, c'est fini. Et puis après, si on trouve ça lourd, on passe à un autre jeu. Ouais, en tout cas, ça donne bien envie. Surtout que je sais que nous, on cherche toujours des jeux où on peut jouer à 5 ou 6. Parce qu'on a un gros groupe de joueurs. Et c'est compliqué de trouver des jeux qui jouent à 5 ou 6. Très, très compliqué. Malheureusement. Et puis ça peut être un jeu brise-glace, tu vois, t'es à l'apéro, tu se fais ça, et puis après t'enchaînes sur une partie de JDR parce que tu t'es défoulé un petit peu. C'est ça. Donc, c'est sympa pour ça. Là, moi, c'est un petit peu l'ambiance du moment. J'ai des gros jeux très lourds à la maison, et en ce moment, j'ai envie d'avoir des plus d'ambiance et facile à prendre en main, quoi. Ben écoute, en tout cas, ça donne bien envie. Et oui, comme tu dis, hein, les jeux de société, voilà, on est quelques-uns à aimer ça. Ben déjà, nous deux. C'est déjà pas mal. Voilà. Et ben, hop. Alors. Voilà, Little Taverne. J'ai Brand qui nous dit, voilà, un petit jeu d'ambiance qui marche bien. Little Taverne, qui l'a testé. Voilà. Exactement. Sloppy nous dit qu'il essaye toujours de lancer un strip poker, mais ça ne marche pas, alors qu'il ne comprend pas, parce que ça se joue avec des sparadraps, des strips, quoi. Donc, voilà, c'est bizarre. Sloppy, oui. Oni, soit qui mal y pense. Voilà, et puis effectivement, comme tu le disais, tu brises la glace et derrière, tu peux lancer une création de perso Polaris. Ouais. Oui. Surtout que la personne qui dit ça a subi une création de perso avec moi et on n'a jamais joué derrière. D'accord. Parce qu'on était dégoûté de la création de perso.
À Polaris, donc. Ah oui, donc en plus, c'est une... C'est plus qu'une blague, c'est une anecdote vécue. C'est un vécu. Ça sent le trauma. Après, ceci dit, moi, je pourrais vous faire des persos à Néphilim V2 avec le compagnon. Je pense qu'on en a pour 6 ou 7 heures facile. Ouais. Dans les bien violents aussi, t'as Eclipse Phase. Ah oui, quelques-uns de jeux comme ça où je passe un peu de temps. Oui, dans les petits jeux d'ambiance, Galactica. Et quel serait un bon jeu d'ambiance? Il y en a plusieurs, des bons jeux à top 10. Top 10, par exemple, il est excellent. Mmh. Après, moi, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que quand tu as des jetons victoire-défaite qui sont une licorne, un caca, ça me fait pas rire. Mais du coup, par contre, le principe du jeu est très, très drôle. Il y en a plein. Hein. Je t'explique un petit peu, tu as des situations. Toi, les joueurs possèdent des cartes qui vont de 1 à 10. Et tu dois décrire la situation selon ton numéro. Donc, par exemple, comment réagis-tu à ton conjoint qui ronfle? De 1, la réaction la plus douce, à 10, la plus violente. Moi, je suis tombée sur 10. Voilà. Ok. Ouais, j'aime bien Fiesta de los Puertos aussi. Enfin, il y a plein de jeux d'ambiance. Tu veux jouer à beaucoup, il est énorme. Ouais. Moi j'aime bien, alors c'est pas vraiment un jeu d'ambiance, mais j'aime beaucoup Anabi aussi, tu vois, le genre de petits jeux que tu peux sortir vite fait. Voilà, il y en a plein. On pourrait s'en faire ça, des spéciales jeux de société plus tard, de toute façon. Ouais. Ok, bah en tout cas, merci pour ce petit zoom. Bien. Tout à fait, n'hésite pas à nous en refaire dès que tu veux, parce que c'est sympa et ça. Ça change un peu des grosses campagnes de JDR. Ouais. Donc, le prochain, c'est, tu m'as dit, ça s'appelle comment celui-là? Next Station Paris. Next Station, ok. Eh ben, écoute, ouais, là pour le prochain. Ah, j'adore les roll and write. Tu lances des dés ou tu tires des cartes, et puis à ce moment-là, tu coches sur une feuille. J'adore ça. Mais après, là, ça devient de la collection, quoi. Ça marche. Eh ben, écoute, on va embrayer gentiment. Sur notre dernière partie, à savoir, je cherche la bannière. Alors, pour Antoine, ça paraît. D'ailleurs, un petit bisou à Antoine, hein, qui ce soir est complètement cuit le pauvre, on y reviendra la semaine prochaine. C'est la rubrique Actu avec le fond d'écran qui va bien presque. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Il est là. Incroyable. Magique. Et voilà. Eh bien, écoute, on va commencer comme d'habitude avec les conventions, les salons, hein, ce genre de choses, les festivals. Et donc, on en a deux. Il y en a sans doute bien plus que ça, hein, mais il y en a deux dont on va vous parler. Il y a d'abord les Jeux du Graouli à Metz. Donc, et oui. c'est dans ton coin, ça, mon cher Fred. Ah ben, c'est à peu près à 3 km à pied de chez moi. D'accord. Donc ça se passe au Stade Symphorien et c'est porté par la boutique La Caverne du Gobelin, que tu connais exactement. Bien. Exactement, ouais, qui sont à Nancy, Metz, Thionville, Pont-à-Mousson, tu vois un petit peu quoi. Et il y avait d'abord les Jeux du Stan qui étaient à Nancy, qui se passent dans le stade Marcel Picot. En fait, ils prennent les tribunes présidentielles, avec des putains de salons, des trucs comme ça, donc c'est vraiment cool en termes de cadre de jeu. Et comme le Stade Symphorien, ça a été complètement refait, la tribune présidentielle, c'est méga classe quoi. Vraiment, et c'est totalement gratuit, donc tu testes Waspillion de jeux de société. Il y a un gros, je sais plus combien de tablia, mais il y en a un bon paquet avec des éditeurs qui sont présents. Il y a des protos, t'as des initiations jeux de rôle aussi avec du donjon entre autres, et puis c'est à côté de chez moi, donc voilà. Hein. Tout à fait. Je sais pas s'il y a de la figurine, je crois pas, non, je ne sais plus, je t'avoue. Ok, alors on passe dans l'Oise avec le festival du JDR de Crépy-en-Valois. Ouais, hop. Voilà, donc c'est organisé par une association qui s'appelle Sunopa, comme vous le voyez sur l'écran que nous montre Fred. Et donc festival du jeu de rôle depuis 2022, donc ça doit être la troisième édition, j'imagine. Et c'est vraiment orienté JDR, hein, puisqu'il y a des parties de jeux de rôle.
avec les meneurs et meneuses sont issus des différentes associations ludiques de l'Oise, des alentours, etc. C'est ouvert à tous, débutants comme joueurs plus confirmés. Voilà, donc vous avez plusieurs sessions de jeu. Il y a des parties d'initiation en une heure qui permettent, voilà, de découvrir. Et il y a aussi du jeu de figurines. Il y a un petit peu de jeu de figurines en plus du jeu de rôle. Voilà, donc c'est gratuit, hein, aussi. Ouais, c'est les deux sorties qu'on a trouvées pour ce week-end. Donc voilà. Et ben donc, on va passer au financement participatif. Ah, il y avait une petite sortie, oui. Non que... Ah oui, pas... oui, vas-y. Autant c'est, pour moi. C'est pas ce week-end, c'est jeudi. Après-demain, en fait, on fait une espèce de grandeur nature, un mini grandeur nature à Épinal, qui s'appelle Le Grand Jeu. Donc c'est traditionnel de l'Ascension. Le jeudi est férié, on sait que la date c'est toujours à cette date là donc l'idée c'est qu'on a deux camps, on a les murailles et les forêts qui doivent s'affronter pour gagner des épreuves et puis au final remporter la victoire, parce qu'en fait la monnaie du jeu qui s'appelle les brousoufs permettent d'acheter soit des points de victoire soit des avantages au cours du jeu, et donc j'incarnerai un des PNJ de l'histoire, je serai une herboriste un peu folle. D'où mon costume de Kaisersberg tout, ouais, fleuri et vert. C'était très chouette. Ça se passe à l'arboretum d'Épinal, en plus. Donc, il y aura des ingrédients pour mes potions cachés dans tout l'arboretum, et il faudra m'apporter mes ingrédients pour me faire mes potions. Il y aura un peu de tout. Il y aura des jeux d'adresse, des jeux de logique, des énigmes. Enfin, c'est très varié. Et il y a de quoi s'amuser toute la journée. Alors, pour le coup, c'est payant, mais pas, voilà, je crois que c'est 2 euros une inscription individuelle et 5 euros pour une famille complète, quel que soit le nombre. Si je dis pas de bêtises, à vérifier sur le site. Hein, parce que moi, et puis parce que de toute façon, c'est gratuit pour les adhérents de l'association. Bien sûr. Voilà, donc moi, j'ai jamais payé aux événements de l'asso, donc je retiens pas les prix, honnêtement. Voilà, c'est celui-là. Mais on s'amuse. Et la météo sera bonne, apparemment. Ah bah, tu es pas super. Parfait. Voilà. 2 euros par personne, 5 euros par famille. Gratuit, ouais, pour les adhérents. Parfait. Hop là. Donc, vous savez quoi faire jeudi si vous êtes à Épinal. Oui. Ou pas loin. Ou un peu plus loin. Mais... Ok, donc du coup, on va chez Baker Kit, j'arrive jamais à le dire ce truc-là. Je dis Baker comme un boulanger, c'est nul, c'est Baker, ouais, c'est Baker Kit. C'est ça, exactement. Et donc, on commence avec Earth After Death, qui est un jeu post-apo sous D20 System. Ouais, et je me suis planté, il est sur Kickstarter, celui-là, tu vois. Ah, donc il n'est pas sur Baker Kit. Non, mais c'est non. Pas grave. Bah, voilà. Donc, il est sur Kickstarter, pardon. Ouais. Donc, un jeu post-apo qui a l'air bien glauque, et puis des mécaniques OSR pour simuler un petit peu tous les aspects du jeu post-apo. Donc voilà. Quoi. Donc, ouais. Ça, c'était sur Kickstarter. Et maintenant, ouais. Sur Baker Kit, on a Oracle Monster. Ouais. Ouais, juste rapidement sur Earth After Death, en fait j'ai essayé de chercher un petit peu ce qu'il y avait sur Kickstarter depuis la semaine dernière. Sincèrement, c'est le néant, pour pas dire plus. Calme, et du coup, j'ai juste trouvé celui-là qui sortait à peine du lot, mais tellement intéressant que vous voyez qu'ils sont que 28 à avoir contribué. Ah oui. Ah ouais, un flop quoi. C'est... Voilà. C'est-à-dire un petit peu l'espèce de néant qu'il y a cette semaine. Quelque part, tant mieux, hein, parce que... Bah, écoute, ça peut pas être toutes les semaines. Hein. Voilà, ça peut pas être non plus la foire à la saucisse toutes les semaines. Donc voilà. Mais ceci dit, ça avait l'air intéressant. Mais bon, les post-apo, le mec te dit, on fait du Fallout. Bah ouais, les mecs, mais il y a déjà Fallout. Mais il y a déjà Mutant Year Zero. Bon, bref. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas plus que ça. Voilà, petit à part. C'est possible. Ok. Attends, donc, je mets juste le lien quand même. Ah bah bien sûr, vas-y, si jamais ça intéresse quelqu'un. Ouais. Je vois qu'on me cite The Black Rainbow Society de Gabriel Quiroga Warpland. Ah, je l'ai pas vu, tiens. Bah écoute, je le mettrai pour la semaine prochaine. Ouais, voilà. On gardera ça pour la semaine prochaine, tout à fait. Ouais. Donc chez Baker Kit cette fois-ci, on y est bien. C'est The Oracle Monster Generator chez Nord Games. Donc c'est un énorme deck de cartes pour générer des monstres et les histoires qui vont avec. Je crois que c'est quelque chose qui te plaît vraiment beaucoup. Ah oui, oui, oui. Bah attends. Bon, déjà, voilà un petit peu comment ça se présente. Je vais essayer de ne pas foutre le bordel.
c'est bien, c'est que je l'avais gardé pas trop loin. Hop. Oh la vache. Voilà. Je vous avais déjà montré ça. Oui. Donc, qui est Elements of Inspiration, toujours chez Nord Games, qui était un gros deck de format tarot, en fait, hein, et qui permettait de générer des environnements 420 cartes, en fait, sous plusieurs familles, qui étaient désert, forêt, etc. Donc ça, j'avais adoré ce concept, et ils avaient lancé la série des Oracle. Ils avaient d'abord Oracle Story Generator, pour générer les histoires. Ils avaient fait le Character Generator, et là, ils sortent le Monster Generator. Alors, comme je te disais, c'est des cartes de tarot, et dedans, voilà comment ça se présente. Tu as les decks du désert, des forêts, des montagnes, des marécages, de la toundra, les souterrains, milieu urbain, de milieu aquatique. Voilà le diagramme d'une carte. Donc, on vous décrit comment s'appelle le personnage ou autre. Ses petites options, ses détails, son type et son numéro de carte. Et voilà comment ça marche. Pour un monstre du désert, bah, vous tirez 5 cartes. Et ça te donne un truc totalement unique. Là, il te donne l'exemple, par exemple, une monstruosité qui s'appelle le Naga, qui se cache dans les dunes après une récente tempête de sable. C'est un. Alors, lurker, c'est qui se cache là, je sais plus le nom exact. Il se faufile en douce. Ça. Voilà, qui attend pour vous tenir une embuscade, qui tend des embuscades à ses proies. Et ça peut créer un nuage de maladie sous la forme d'un gaz toxique. Et ça s'est récemment échappé de la servitude de créatures encore plus puissantes. Voilà, juste avec 5 cartes, tu as déjà tout ça qui est créé. Donc ça te donne vraiment tout le petit historique qui va derrière une rencontre de monstres ou autre. Et j'adore. Donc, je vous remontre un petit peu comment ça se présente. C'est vrai que ça va être la vache. Voilà. Je vous montre un petit peu sur Elements of Inspiration. Hein. Ça se présente sous ce format-là. Venez ici, petite carte. Voilà. Voilà. Donc, je vais me remettre comme ceci. Comme ça, vous voyez exactement. Donc voilà, vous avez les cartes. Donc là, j'ai les déserts. C'était pour les éléments d'inspiration. Hein. Mais c'est construit de la même façon. Donc des decks de cartes. Oh, putain, j'arrive même plus à parler. C'est une catastrophe. Et je vous montre un petit peu ce que ça représente. 420 cartes dans une boîte. Ben, ça fait tout ça. ça fait un petit format, on est sur un format tarot, tu vois. Ah oui, c'est vraiment tarot deck, donc enfin le format, hein. Et c'est une boîte qui me fait dans les 2 kilos facile, hein, minimum, hein. Bien rempli. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce projet là c'est que ça te donne vraiment à la volée, en tirant des cartes, voilà, tu peux tout de suite créer tes petites histoires, tes petits machins, tes petites rencontres quand t'as pas trop d'inspiration, ou même quand t'es en train de créer ton scénar, bah tac tac tac, voilà, t'as quelque chose, t'as une amorce. Et j'adore ça. Moi, personnellement, les aides de jeu comme ça, c'est toujours très intéressant. Voilà. Mmh. Très bien. Alors, Sloppy nous demande si c'est surtout pour de la fantasy. Oui, la réponse est oui. Oui, tout à fait. Mais pour Nord Games, c'est une boîte qui s'est construite en faisant en construisant tous ses suppléments sur la 5e édition. Pour les stat blocks. Bien sûr. Mmh. OK. Bon, toujours en financement participatif, on va passer cette fois-ci chez Game on Tabletop. Hein, avec d'abord le fait que Odonata Edition a arrêté, donc a abandonné, pour l'instant en tout cas, le financement de son jeu Les Chroniques de Vaelran. Donc l'éditeur a annoncé qu'il allait repenser la com sur le projet, repenser certaines choses, et que l'univers qui leur tient à cœur, et que peut-être il n'avait pas su présenter ou mettre en exergue son originalité, et ben donc ils vont repenser tout ça, la com et tout, et que le jeu leur tient à cœur et qu'il reviendra. Bon. D'abord, moi perso, je suis triste pour Donata, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Donc, c'est pareil. Voilà, et je le souhaite à personne, hein, ce qu'ils vivent. On se faisait la réflexion qu'il y avait beaucoup de campagnes et que malheureusement, on espérait qu'il n'y aurait pas de victimes. Bon, en voilà une.
Ça me fait un peu suer que ça leur tombe dessus à eux, vu la qualité globale de ce qu'ils font. On est d'accord. Mais voilà, bon, bah, de toute façon, comme je le dis, personne ne le mérite. Hein, donc voilà. Mais on attend de voir effectivement ce jeu revenir avec d'autres, avec peut-être un autre angle, on verra. Oui, c'est ce que je vois, hein, la com était faible, mais ils le reconnaissent, hein, de toute façon, Florent, il l'a dit, hein. Graphiquement faible, non. Enfin, moi, je trouve que c'était. Non, moi, je trouve pas non plus. Je trouve qu'il y, une patte, en tout cas. Après qu'on l'a. Mais non, je dirais pas effectivement. Moi, je pense surtout que c'est ce que dit Florent à un moment donné, c'est qu'il pâtit aussi du fait que le thème du jeu était un peu semblable à d'autres jeux qui sont sortis en financement quasi en même temps. Et ça, c'est toujours compliqué, quoi. Ouais, non, bien sûr. Bah ouais, oui, mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on dit, hein, sur le fait qu'il y allait, ça risquait de tomber. Bon, bah voilà, c'est tombé là. On embrasse Florent et son équipe, hein, en tout cas. Ouais, clairement. Et puis on suivra bien sûr ce qu'il en est de ce jeu. Oui, voilà. On les recevra de toute façon. Oui, tout à fait. On en parlera avec eux. Pas trop de nouveautés, par contre toujours en cours plein de choses dont on vous a déjà parlé, donc on va pas vous les redétailler, mais on va juste vous les citer. Il y a Noblesse Oblige, chez les Douze Singes, pardon. Il y a les extensions City of Mist chez les Barbus. Il y a Majestic 12 chez Pattern Recog. Il y a Petite Sorcière chez Metago, on a reçu Antoine Boza juste avant le live à 18h, et c'est super cool. Vous pouvez donc voir son interview. Découvertes étranges chez Cobold Érudit et l'extension de Space Horror Stories qui s'appelle Endless Darkness chez Alnom 6, c'est ça? Oui, Olivier. Exactement. Et il y en a plein d'autres qui ont été annoncés, donc vous allez en avoir. Alors il y a Flabbergasted chez Akileos. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je t'avoue que je n'ai pas suivi. Ouais, on l'avait évoqué la semaine dernière avec Antoine, parce qu'il y a le financement en anglais qui a eu lieu. Donc d'accord. Ça a l'air d'être des espèces de dandies, etc., qui vivent des aventures du fantastique dedans. D'accord, ok. Macadam Fairies chez Dead Crows. Artum Toulou, gros morceau, chez Légion Distribution, et Supplément Vampire, Chicago by Night, chez Arkham Asylum. Voilà. Ouais. Tout ça arrive donc dans les jours et les semaines à venir, donc il va quand même y avoir toujours de la sollicitation. On va suivre tout ça, ça devient compliqué à suivre. À un moment. À savoir que moi, je vais tester Noblesse Oblige dimanche, ouais. Avec l'auteur chez Olshad. Super. Eh ben, tu nous diras ce que tu en as pensé, du coup. Ça, c'est super. Ouais. On passe chez Ulule, mes chers amis. Alors, décevant. Décevant pour Majestic 12. Pour Majestic 12, moi, je pense pas. Vu la concurrence actuelle, déjà, il est financé un peu plus rapidement que les précédents jeux de Pattern. Donc ça, déjà, c'est très, très cool. Et c'est la première fois qu'ils font des jeux avec des paliers. Tu vois, donc je trouve que c'est plutôt bien. Il y a déjà un scénar qui est débloqué et tout. Enfin, non, je suis pas sur le décevant pour Majestic 12. Ça reste quand même un jeu de niche, hein, faut pas non plus. Tu vois, donc non, moi je suis plutôt super content pour Cédric déjà. Bon, voilà, petit aparté, excuse-moi. Non, mais aucun souci, tu as bien raison de commenter, c'est fait pour ça, le chat. Hein, donc chez Ulule, maintenant, Les Sables Rouges chez Fondu au Noir. Il y a eu donc l'interview hier avec Aymeric Cloche. Mais voilà, donc c'est lancé. Hein, donc c'est en cours, c'est pas encore financé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a 80 contributeurs et déjà, la moitié de la somme est dépassée. La moitié de la somme, c'est bien. Ah ouais. En 24 heures, c'est pas mal. Ok. Toujours sur Ulule, le tarot Mythos chez les Douze Singes. Donc il s'agit du tarot qui a été proposé pendant le financement de la réédition de Cthulhu Hack, mais donc en version améliorée. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui a été amélioré dessus. Donc ça veut dire amélioré par rapport à la version qu'on aura si on a pledgé la réédition de... Oui. Si tu as pledgé dans Cthulhu Hack réédition, tu bénéficies des améliorations de ça. Ah, d'accord. Ah, bah, ouais, c'est quand même c'est la classe. Bonne nouvelle. Ouais, franchement, ouais, trop bien, quoi. Top. Voilà, ils décident de publier le tarot afin de le faire connaître au plus grand nombre.
reconstitué d'après les notes d'Albrecht Krichn, illustré par Maxime Place. Et puis un guide du tarot mythos. Donc tout ça, en fait, tu le retrouveras dans, si tu l'as pris dans le Toulouac Réédition. Oui, c'était une option, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et là, c'est si tu veux juste le tarot, bah, tu as la possibilité de l'avoir sur ce financement vraiment très ciblé. Quoi. Ok. Bon, parce que tu as des gens qui ne font que qui n'aiment que les tarots, à la limite. Mais c'est vrai sûr. Que c'est pas bête de le rééditer en version un peu classe, quoi, tu vois. Donc bah, écoute, ça a marché. Ils sont déjà 96 à l'avoir pris sur 50 préventes. Eh bah, ben top. C'est parfait. Voilà. Très bien. Ensuite, donc, des questions de droit. Alors, ça, j'étais un peu surpris de le voir dans la liste, mais pourquoi pas après la réflexion. Donc, ça s'appelle le droit dans les sagas de super-héros. Donc, c'est un livre, hein. Donc, sur des super-héros qui se posent des questions de droit. Alors, j'imagine que ça aborde les questions de vigilance. Questions juridiques. Ce genre de choses, c'est ça. Ah, c'est sur l'angle juridique, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est écrit par des juristes, c'est très sérieux. Madame Chamel, si vous êtes dans le chat, vous pouvez intervenir à tout moment. Mais alors, moi, forcément, tu penses bien que je kiffe sa race, quoi, tant qu'ancien juriste. Mais... Non, c'est des ouvrages très sérieux sur les conséquences des actes des super-héros. Il y avait déjà eu des... Antoine m'avait dit, lui, il a déjà, je crois, le droit dans Harry Potter. D'accord. Voilà, tu as plusieurs sagas qui sont analysées sous l'angle du droit. Donc, tu as à la fois le côté ludique et à la fois le côté très sérieux de la chose, quoi. Donc, tu vois, pourquoi les Avengers sont-ils criblés de dettes? Comment Batman fait-il vraiment régner la justice à Gotham? Est-ce que Spider-Man respecte le droit des modifications génétiques? Très intéressant. Pourquoi Iron Man devrait être interdit de vol? C'est scandaleux, monsieur. Superman, est-ce qu'il est un extraterrestre ou un astronaute? Parce que juridiquement, c'est pas pareil. Hein. C'est pas les mêmes droits. Hein. Wonder Woman peut-elle utiliser son lasso de la vérité sans violer les droits humains? On ne sait pas. Et Gamora pouvait-elle être adoptée par Thanos dans les Gardiens de la Galaxie? Les droits de la filiation, tout ça, tout ça. Voilà, donc avec des questions qui peuvent paraître un peu stupides, on te renvoie à des notions de droit qui sont très actuelles et très intéressantes. Et c'est reparti. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'était. Le comics Civil War était se basait sur des questions politiques et, exactement. Et de droit pour lancer son intrigue, tout à fait. Bon, après, c'était un gros regard, hein, rassurez-vous. Mais, oui, un peu. Ouais, voilà, tu vois, tu as plein, de chercheurs en droit, etc., qui travaillent sur l'ouvrage. Et comme je te disais, tu as le droit dans la saga Harry Potter, le droit dans le Seigneur des Anneaux et le droit dans la saga Jurassic Park. D'accord. Ça existe déjà. Mais ouais, moi je trouve ça vachement intéressant d'avoir cette double approche, quoi. Bon. Eh bien, écoute, on peut dire chez qui c'est? C'était Henrik B. Édition. Henrik B. Édition. Okay. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas mis le lien dans le chat. Oh là là, la honte. Alors attends, déjà. T'étais emporté par l'élan. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc déjà, je mets les sables rouges. Voilà. C'est super intéressant ce genre de livre. Moi, je sais que. Moi, j'ai plus les côtés scientifiques. Moi, j'ai la science dans différents trucs aussi. La science dans Star Wars, etc. Ouais, la science dans Dune. La science du disque monde. La science dans le Seigneur des Anneaux qu'il faut que je lise. Voilà, et je vous mets donc le. Voilà, je l'ai mis. Hein. Mais là, sur l'aspect droit, c'est super intéressant aussi. Ouais. Ah ouais. Et là, je vous mets. Hop. Il est Pico aussi. Ouais. Voilà, là, je vous mets celui qu'on voit à l'écran. Voilà, le livre des Trois Dragons. C'est aux éditions Convergence. Et donc, c'est la réédition d'un grand classique de la fantasy de Kenneth Morris. Ouais. Qui date, hein, tu vois, publié en 1930, hein, donc, mais qui est cité et mis en exergue par de grands auteurs, tels Ursula Le Guin, hein, par exemple, quand même, et qui est très étudié chez les anglo-saxons. Chez nous, c'est très très peu connu, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, tu as du Edison qui est cité, etc. Et c'est 7 ans avant Bilbo, et 8 ans après Le Serpent Ouroboros de Edison. Donc, tu vois, on est à peu près, tu vois, pas loin du Denzani, hein, la fille du roi des elfes. Donc, ça fait partie des grands récits des débuts contemporains de la fantaisie, en tout cas. Voilà, donc moi, je vous le conseille. Donc, ça sert juste à financer le bouquin, hein, la réédition. Ça y est, c'est fait. Hein. Il reste 2 jours, il y a déjà 62 contributeurs. Et ça coûte, que je ne vous dise pas de bêtises, 12 euros. Non, 12 euros, c'est le précédent ouvrage. Ah, pardon. Le livre 3,
le livre des trois dragons, c'est celui-là, c'est 28 euros. D'accord. Okay. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, si vous voulez lire quelque chose qui vous montre ce qu'était la fantaisie à ses tout débuts, et puis qui a marqué durablement dans la création de ce courant littéraire, bah, lisez le livre des trois dragons. Moi, je l'avais lu il y a très longtemps. C'est très, ouais, très sympa. Après, ça a vieilli, ouais, hein, bien évidemment. Mais voilà, si vous cherchez des choses... Je ne suis pas du tout un spécialiste de la fantaisie et je n'en avais jamais entendu parler. Ouais, c'est quand tu commences à étudier le courant littéraire que tu le vois cité en français. Ouais. Ouais, comme Gormenghast. Hein. Mais Gormenghast... Gormenghast, j'en avais déjà entendu parler. Ouais. J'ai l'impression que Gormenghast est plus reconnu. Très peu. On en parle France... plus dans la littérature générale de Gormenghast, notamment. Tu vois, pas des masses, ça, sincèrement. Hein. Non, pas des masses. Mais bref, en tout cas, voilà, super initiative, ça, je tenais à le mettre. Très bien, et tu faisais un petit point, toujours en cours, bah, donc chez La Loutre, hein, Rollist, les trois, oui, JDR solo, jeu de rôle au label Miroir, qui est financé, donc c'est très très bien. Ouais, on est content pour lui. Ouais. Ouais. On passe aux actus éditeurs. Allez, soyez fous. Donc, Agathe, chez Agathe, il va y avoir un financement, un de plus, donc en juin, pour la suite de Draconis Héritage. Oui, d'ailleurs, parce qu'il y a Draconis qui était en financement l'an dernier, qu'on avait reçu toute l'équipe d'ailleurs, qui est issu de l'univers graphique de Shane, que j'adore, vraiment. Enfin, j'ai ces artbooks ici, là, les trois artbooks d'ailleurs. Donc j'adore son univers. Ils ont fait un jeu plutôt cosy fantasy, quoi, et j'adore le concept. Donc là, les livraisons vont arriver, vont commencer dans pas longtemps. Et comme c'est finalisé, bah, ils vont lancer le financement de la suite qui s'appellera Héritage, justement. Donc, très curieux. On recevra sûrement l'équipe à nouveau pour en discuter, parce que moi, en tout cas, je suis fan. Donc, je suis un gros fanboy de Shane, hein, donc c'est pas dur. Voilà. Il y a d'autres trucs chez Agathe, mais bon, après, voilà, on se les réserve pour les autres émissions, quoi. Tout à fait. Chez Arcane, c'est la libération de tout ce qui avait été capté par la douane au port du Havre. Donc, on vous rappelle, hein, qu'ils avaient eu donc une inspection, hein, comme ça arrive. Et donc, voilà, il va y avoir donc plein de choses qui ont été débloquées, qui vont pouvoir être distribuées, du Fallout, du Hunter, du Vampire, du Cyberpunk, du Dune, et bien entendu, toute la gamme Changelin, qui avait fait l'objet d'une précommande il y a déjà quelque temps, et qui donc va pouvoir être entièrement livré. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Et d'ailleurs, Dune, c'est le prochain bateau qui, lui, ne va pas tarder à arriver en douane. Okay. Voilà. Parce que c'est ce qui aurait dû sortir en avril, et le bateau qui arrive, c'est pour ce qui doit sortir en juin. Ok, bon, bah ça va. Alors, Hunter, je pense que c'est... C'est pas l'écran être... Ah, peut-être. Sinon, parce que je sais qu'il y a un supplément en VO avec quatre scénarios, dont il faudrait que je vous parle d'ailleurs, parce que je l'ai lu. Est-ce que c'est celui-là? C'est peut-être la trate de celui-là. Je ne sais plus, je t'avoue. Comme je n'ai pas suivi. Voilà. Non, vous avez raison, c'est l'écran. C'est les outils du meneur et l'écran. C'est marqué dans la news. Voilà. Donc, c'est pour ça, je me disais. Exactement. C'est... Donc le supplément de scénario arrivera plus tard. Oui, alors voilà, celui avec les nouveaux modules Forbidden Lands, avec Dune, etc., et Blade Runner, c'est le prochain bateau, effectivement. Ok. Alors, petit bonus, toujours chez Arcane, hein, pour l'Empire des Cerisiers, vous avez une aide de jeu qui s'appelle le Palais des Libellules, qui est à retrouver donc, pour l'Empire des Cerisiers dans la rubrique téléchargement. Donc ça, c'est ouais, plutôt toujours sympa. Je vous mets le lien direct, comme ça au moins. Voilà, d'avoir du matériel pour les jeux qu'on aime. Et en prime, ils ont publié une interview d'Olivier Sanfilippo, donc l'auteur, ouais, multitâche, auteur, illustrateur de ce très bon jeu. Exactement, je vous mets le lien aussi. Voilà. Et j'ai eu l'interview, elle est très très cool. Hein. Vraiment. C'est pas une petite interview, tu vois, il y a quand même... Ah, il y a du... Ah, tu vois, je scroll, hein. Mmh. Il y a beaucoup de choses. Très bien. Donc, c'est par Nathalie Julien, voilà. Bien. Parfait. Chez Barbu, maintenant. Donc là, il y a du Osprey qui arrive. Alors, il va y avoir deux financements pour deux suppléments de Osprey Games. Oui. Alors, c'est le Sigil and Shadow dont on a déjà parlé, et ouais, l'autre, à chaque fois, j'oublie son nom, c'est celui qui permet de faire du Wuxia. C'est l'âme vertueuse reflet. Attends. Ouf, j'ai toujours du mal. Hein.
Bah écoute, tu as tellement du mal que tu ne l'as pas mis dans le, oui, c'est pour ça, dans le fichier d'actu. c'est exactement ça. Right, voilà. Righteous Blood, Ruthless Blades. Ok. Voilà, et je ne sais plus comment ils l'ont traduit. En fait, j'ai le petit truc que j'ai récupéré sur leur stand, mais je l'ai laissé sur le frigo. Donc voilà, en tout cas, ce que je ne savais pas, c'est ça, j'ai discuté avec eux, c'est qu'ils vont lancer le financement avec les deux suppléments en même temps. Ah d'accord. Deux suppléments d'un coup. Ils le feront par vague, en fait, au fur et à mesure, plus ou moins par thème. Donc voilà, les jeux Osprey, on en a beaucoup discuté avec les barbus pendant que j'étais à Kaisersberg, on va dire plus. Voilà, y compris de ceux qu'ils n'ont pas encore traduit, que je leur ai dit non, mais allez-y, c'est de la bonne, et puis ceux qu'ils ont déjà prévu. Ok, voilà. Super. Super, ouais, super. C'est très très bon jeu chez Osprey. Ok, petite news maintenant pour Empyreal, Franker, et jeu du mois sur le Grog, donc c'est une bonne nouvelle pour le jeu, ça lui donne un peu de lumière. Ouais. Et on a le PDF en service presse, normalement c'est peut-être Antoine qui fera la chronique, okay. On verra avec lui. Très bien. Mais a priori c'est le jeu qui te permet de... Il nous en avait parlé, Julien, quand on l'avait interviewé l'an dernier. C'est un peu ce qui permet de jouer vraiment du Dark Souls, quoi, ou du Elden Ring, ce genre d'univers. Voilà. Donc, mais voilà, on laissera Antoine nous en parler plus en détail. Bon, ok, ça marche. Et ben voilà, on arrive à la fin des news, en tout cas pour nos éditeurs en VF. On va passer à la VO avec l'annonce de Path of Glory, une campagne épique pour Dragonbane, qui est annoncée donc chez Free League. Ouais, que voici, que voilà. Donc je sais que pour nous, on pourra avoir les PDF, mais je t'avoue que comme je ne suis pas la gamme Dragonbane, je ne sais pas qui a envie de suivre ça. Donc ça plus que ça, quoi. Moi, j'avais acheté les bouquins. Enfin, j'ai la boîte de base, en fait, donc pourquoi pas. Bah écoute, on a accès aux PDF en service presse, de toute façon. Donc, ok, bah écoute. Donc voilà. Très bien. Donc voilà, une belle campagne, toujours aussi bien illustrée, donc ça, là-dessus, c'est quoi. Bah, tout à fait. Voilà, voilà. Et pour finir, un petit jeu indé, voilà, qui s'appelle, ouais, Avant l'effondrement, qui est dispo en français et en anglais. Alors, c'est, quand on dit petit jeu, c'est en une page. Hein. C'est ça, recto verso. Voilà. Donc, bah, ça vous permet de jouer la trajectoire de gens ordinaires qui voient arriver la fin de la société. Donc... Quelles répercussions auront leurs actions avant la fin du monde, ce genre de questionnement. Donc, donc voilà, on est dans les sujets effectivement qui sont plus facilement traités par des jeux indés parfois que par des grosses machines mainstream. Ouais, par Nadège et Renaud. Et Nadège, elle avait aussi traduit l'excellent Débris, Scraps, super jeu solarpunk que j'adore. Mmh. Donc, fait des beaux petits jeux. Et ça me rappelle un film aussi. Je crois que c'est Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, il me semble, non ? Oui. Ah, j'avais adoré ce film. Très beau film. Ouais, et ça rappelle un peu cette ambiance-là. Hein. Ou alors celui avec Julia Roberts qui est perdu sur Netflix. Là. J'oublie à chaque fois le nom, qui est daté d'un roman. Ouais. Qui était pas mal dans sa construction, sauf si, ouais, tu comprends l'espagnol ou tu arrives au bout d'un quart d'heure, tu as tout compris. D'accord. Bah écoute, voilà. En tout cas, Jusqu'à la fin du monde nous sépare avec l'excellent Steve Carell et Keira Knightley, était vraiment un très beau film. C'est-à-dire qu'il est à la fois doux, amer, drôle, très émouvant. Enfin, vraiment, c'est une super recommandation. Ouais. Ouais, qui est tellement bien construit que je me souviens que je l'avais vu avec une amie à l'époque qui me disait que tu sais ce qui va se passer parce que c'est annoncé dès le début. C'est annoncé, oui. Et t'as quand même l'espoir que non, mais quand même. Ouais. Non, messieurs. Non, mesdames. Non, c'est un blanc. En tout cas, celui-là, il a fait pleurer. Hein. Oui. Alors, le petit jeu, qui est pareil, une page de Guillaume Janté, je l'ai gardé pour la semaine prochaine. Comme ça, toutes les semaines, on essaie d'avoir un petit jeu indé en plus, quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà, qui est sur Itch.io, vous inquiétez pas, c'est prévu, on l'évoquera la semaine prochaine. Voilà. Pretty Woman the Fall. J'aime beaucoup Pretty Woman the Fall. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pretty Woman chez George Miller, tu sais. Ouais, oulala. Peut-être un concept, je sais pas. Ouais. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a Furiosa qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Content, je l'ai placé. Il y a Civil War surtout. Bon, ben, ça y est, c'est sorti déjà, Civil War. Oui, oui. Ok, ben voilà, on a fini pour les news.
Et on atteint les 2 heures d'émission. Waouh. Ben oui. Voilà, voilà. Très bien. Alors, mon cher Fred, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine là? Eh ben écoute, pour la semaine, déjà, de sûr, c'est jeudi. Alors, je ne sais plus si c'est 20h, 21h, il faut que je revoie avec Olivier. Donc, on reçoit Adam 6 pour Endless Darkness, la suite de Space Horror Stories. Voilà. Parce qu'on avait testé le jeu, on avait adoré, Antoine avait fait la chronique. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va parler de la suite, quoi. Ouais, voilà, qui est en financement. Donc, on le reçoit ce jeudi. Éventuellement, alors, je ne sais pas si ce sera demain, je ne pense pas, mais en tout cas, je vous ferai le déboîtage de mon archive, parce que je n'ai toujours pas ouvert le carton. Donc voilà, je vous le ferai, parce que bon, depuis le temps que je l'attends, celui-là, quand même. Donc je vous ferai ça, puis le déboîtage de comment ça s'appelle, des lames du cardinal, préparer les salières. Voilà, j'en dis pas plus. Ah oui, tiens, dans les personnes avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté, je me suis régalé aussi à Kaisersberg, Philippe Oribeau. J'ai oublié. Bien plus d'une demi-heure, facile. Donc c'est passionnant. Donc voilà, petit aparté sur les lames du cardinal. Donc voilà le programme. Peut-être quelque chose dimanche, mais c'est pas encore calé, faut que je vois si les gens sont dispo. Ok. Voilà. C'est déjà pas mal. Bon, ben super. Ouais. Le mot de la fin, qui veut le faire? Fred, Aranita? Non? Ok. Bon, ah ben, bah, vous écoutez. Pas, les enfants. Je ne sais pas. Ah bah alors, tu vois, alors, discours de base, nous vous rappelons que cette vidéo passionnante, bourrée d'éclats de rire et d'infos pertinentes, avec un humour, voilà, de l'humour toujours, sera rediffusée dès demain sur YouTube avec les liens, le chapitrage. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Vous abonnez à la chaîne aussi, quoi. Enfin, allez-y, quoi. Hein, c'est ça. Ouais. D'autant puis, plus que cette semaine, mine de rien, ça a été, on a fait très pédagogique, voilà, en parlant oui. en parlant des dégâts de l'alcool, etc. Tout à fait. Oui. Donc, ouais, n'hésitez pas à montrer ça à vos enfants. Exactement. On est comme ça. Donc voilà. Puis les petits pouces hein, dans YouTube et tout le reste. Pourquoi? Parce que leurs algorithmes étant tellement claqués au sol que bah, les petits pouces, ça aide à remonter un petit peu dans les choix de recherche. Tout simplement. Ça, vous savez tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Ah oui, le classique, comme d'habitude, pendant que je vais chercher le petit truc qui va bien, c'est-à-dire la petite vidéo pour dire « ça y est, c'est fini ». Je regarde. « Concupiscent pour le mot du soir ». Ouais, si tu veux. Bon, les lapsus ce soir, c'est... Ouh là là. Temps d'aller dormir, messieurs, dames. Alors, comme je disais, ça fait très longtemps qu'on n'a plus tenu le Discord après les lives, ce qui dure beaucoup plus longtemps. Par contre, pour la prochaine interview, je serai sûrement dans le Discord après pour animer un peu, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, et c'est toujours un peu sympa quand même. Voilà, bah, il nous reste à vous dire qu'on vous aime tous, qu'on vous remercie d'être restés. Vous êtes encore vachement nombreux à nous écouter au bout de 2 heures, c'est quand même fou. Vous êtes quand même courageux. Hein. Moi, j'arrive même pas à m'écouter plus de 5 minutes, mais bon, faites comme vous voulez. Bah, il devrait vous dire que, bah, qu'on vous adore. Hein, voilà. Cœur sur vous tous. Tout plein de bisous. Et puis, bah, bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Prenez soin de vous.